Le pipi est fait. Merci Kalos, merci Cerex. Merci beaucoup les gars. Allez hop. On avait rendez-vous à 14h chez Allô. Relativement tôt, tu vois, généralement. Hello. Salut. Salut, ça va? Attendez, causez un petit peu entre vous que je fasse mes réglages son pendant ce temps. Vas-y, Snagou, du coup. Mec, pas de problème. Et tu sais que je sais que tu lances relativement tôt et je me suis dit, putain, ça va être la merde parce que du coup, je vais être en live avec Ava et Hugo et à côté, j'aurai le match de foot et tout. Et j'ai vu qu'on avait rendez-vous à 16h et du coup, je me suis dit, mais ça va, tranquille. Non, ça va. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a un match là. C'est qui contre qui? Ouais, Belgique, Maroc. Ah, oui. Et alors? C'est mieux que... Désolé, hein. Le Maroc, clairement. Désolé, mais on parle foot ici, hein. Désolé, hein. Alors, attendez, je vais juste... Je vois pour augmenter ta voix, Hugo, parce que je t'ai mis à fond, mais je t'entends pas des masses. Aussi. Ouais, moi, j'ai dû reparamétrer mon micro tout à l'heure. Je peux augmenter le gain, si vous voulez, mais... Ouais, un tout petit peu. Genre, j'ai une Go XLR depuis 2 jours et je découvre comment ça marche. Hein. Ah, c'est pour ça, ouais. Make-up game. T'as pas galéré dans le routage, là? Si, mais j'ai regardé 20 tutos avant, hein. C'était une catastrophe, ouais, ça m'a pris un jour. Le pire, c'est que ça m'a pris un jour à paramétrer, je me suis rendu compte que j'avais, tu sais, une sorte de Larsen, un bzit, là, un machin, donc j'ai dû racheter des câbles, refaire mon ancien setup, et refaire le setup 3 jours après, donc c'était bien chiant. Alors ça, pour le coup, moi j'avais le même problème, j'avais renvoyé la GoXR parce que je pensais qu'elle était pétée et en fait, il fallait la mettre sur une prise à part. C'était juste la ouais. prise directe, c'est parce qu'en fait, elle supporte pas d'être branchée avec d'autres trucs. Ah bah, figure-toi que moi, c'était juste le câble qui était pourri. Donc, Mais en fait, c'est hyper capricieux, la GoXR. Ouais, clairement. Ah, mais moi, j'ai acheté un filtre là, tu sais, pour enlever ce fameux Larsen, etc. T'sais. J'ai acheté un petit filtre, petit adaptateur. Pour empêcher le truc. C'est un petit truc, un petit sort de petit cube, tu vois, où ouais, tu mets en jack. Ouais, exactement. J'ai acheté la même chose, moi, et du coup, ça a marché. Ah bah voilà, ça va peut-être venir de ça. Je viens de finir le tuto, désolé, je suis en retard, du coup, je l'ai fini en 2-2. Attends, vous avez quelle classe, parce qu'on a tous la même? Ah, non. Que... On a tous Psy-Psyker ou pas? Moi, j'ai pris ça, moi, le mec qui fait des sorts, donc... Non, j'en étais sûr. En plus, je l'ai dit, venez, je vais pas prendre le même, parce que je me dis, Hugo, elle est même goût que moi, et en fait, j'ai pris la même chose. J'ai pris lui, et tu joues quoi, Snaku? Moi, tu sais, moi, c'est les gros bras, tu vois. Ah, parfait. Et c'est exactement ce que je voulais. Il nous fallait le gros bras, là. Parfait. C'est moi, t'inquiète pas. Je peux changer, en vrai, je m'en fous, hein, si jamais... Oh non, ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, il y aura un last qui nous rejoindra random, je crois, parce que tu peux pas lancer à 3. Donc, non, c'est parfait. Hein. On le tuera. Ouais. j'avais une question, justement. Vous aviez tâté ou pas GTFO? Oui, j'adore. Parce que justement, moi je disais à mon chat, justement, j'ai jamais joué, donc si un jour vous voulez tâter je suis grave chaud, hein, parce que j'ai fait juste le tuto tout seul, mais bon, ça zookait pas trop tout seul, vous en doutez. C'est dur, ouais. Non, je serais chaud si un jour vous voulez tâter GTFO, ça me botte. Le truc de GTFO, c'est qu'en fait, c'est hyper exigeant, tu vois. Oui. Genre, c'est clairement pas un Dark Tide pour le coup, tu vois. Ouais, genre, c'est pas, tu avances, tu désingues tout, parce qu'en vrai, à la moindre alerte, généralement, c'est game over. Ouais, donc ouais, pourquoi pas, avec grand plaisir. Vous êtes allé loin, vous? Dans GTFO, en vrai, je l'ai jamais fini, moi, tellement il est hardcore, mais... J'ai fait le 1, je crois. Ouais, moi, j'ai fait 2 niveaux, je crois. Ouais, pareil, 2-3 niveaux, un truc comme ça. Ah, parce que c'est long, je crois, en plus, ces niveaux. Mais en fait, le problème de GTFO, c'est que quand il est sorti, moi, j'avais fait la bêta, et j'étais persuadée que c'était un jeu à la Dark Tide, justement, parce qu'il montrait des images où tu foutais vraiment des tonnes de balles. Du coup, j'étais en mode, on va se lâcher, tu vois. Mais sauf que non, c'est vraiment, effectivement, hyper sneaky, et du coup, j'étais hyper déçue au début du jeu, et en fait, j'y suis retournée quelques mois plus tard, et je kiffe trop, mais c'est vrai que c'est... Ouais, parce que c'est... Exigeant. Comme tu dis, ouais, c'est vachement stratégique, en fait. Ouais. De ouf. De ouf. Surtout que la difficulté, je crois qu'elle est exponentielle de fou entre le A et le B. C'est une sorte de hive, c'est genre une sorte de ruche, tu vois, qui va vers le bas. Et tu descends les trucs, et en fait, je crois qu'entre A et le B, le niveau, la difficulté, la différence de delta, de gap, de difficulté, ouais, genre, c'est monstre déjà, tu vois. Ouais, vraiment. Avec les potes, le A, on l'a plus ou moins fini facilement, le B, on était en mode, waouh, c'est quoi cette merde? Genre, t'as des monstres, tu sais, genre, t'as jamais vu, et c'est des trucs genre trop pété. Bon, je veux pas spoil, mais vous verrez, quoi. Ah, moi, je serais trop chaud de découvrir, parce qu'en fait, déjà, rien que dans le tuto, le sound design, j'avais kiffé de fou, donc ça a l'air trop bien. Pour se rejoindre, du coup, par contre, je crois que toi, Hugo, je t'ai pas sur Steam. Ah oui, attends. Snack où je t'ai, mais je te vois pas. Ah oui, je suis hors ligne. Je suis toujours hors ligne, je suis un mec sticky. C'est bon, vas-y, je vais te faire copier-coller. Je copie-colle mon lien de profil Steam, comme ça tu peux m'add direct. Vas-y. Je rejoins ta partie, du coup, avant. Ouais, je vais t'ajouter. Je vais ajouter Hugo déjà. Dites-moi le chat aussi si le son c'est bien là. Là, je t'ai envoyé mon profil sur Steam. Sur Discord, okay. Ava. Ouais, j'ai. Tac. Merci Jean. Tac. Ok. Ajouter au contact. C'est bon. Ah, un poil. Ok. Je change ça.
Ok, c'est bon, ça y est, je t'ai add. Quick. Ensuite, invitation. Alors par contre, moi j'ai fait une seule mission, mais j'ai bien galéré. Hein. Donc, Zongo, c'est pas... Non, c'est absolument un de fou. C'est clairement moi, c'est clairement moi. C'est vrai? Ben oui, c'est moi Zongo. J'ai cru que tu t'appelais Gonzo. Ça fait deux fois que ça refuse, putain. J'étais persuadé que c'était pas toi parce qu'il y a des mecs dans mon lobby là, donc là, c'est qui lui? Attends, c'est par où qu'on se rejoint? C'est social ou... Ah oui, ok. Mais je suis con. Pourquoi j'ai plus l'overlay Steam sur mon truc? C'est chiant. Mais du coup, est-ce que moi je peux ajouter quelqu'un vu que c'est pas moi qui ai fait l'invitation ou pas? Je crois que tu peux, ouais. Alors normalement c'est accepté. Ah ouais, putain, il faut confirmer. Ouais, faut que tu me confirmes. Voilà. Normalement c'est bon, vas-y, essaie de m'inviter dans le social du jeu là. Alors, est-ce que je te vois déjà? Zongo, ça dégage. Ah ouais, de ouf. La violence. Zongo, ta mère dégage. Tu veux pas le changer ton pseudo? Non, mais moi en fait, si tu veux, c'est un mime. Genre, en gros, Zongo, c'est Caris, tu vois. Ah, et bah oui, fait, Zongo le dozo, jeux... ouais, d'accord. Ouais, exactement. Dans tous les jeux, je crée en fait, c'est un Renoir, grand stock, baraque, tous les réglages max, tu vois, la arc, tu vois. KAA. Et du coup, c'est un mime qui est resté. Et du coup, c'est pour ça que je mets toujours Zongo, tu vois. Allez, Véronique et Zongo, bah super. Bon, moi, j'ai. Elle pas mal la team, hein. Attends, tu t'appelles comment, Véronique? Véronique Dupuis, hein. Je vais dire Véro, hein, c'est plus simple, hein. Ouais, mais justement, c'est une grosse carène. En fait, elle était à Conta à la base, et puis il y a tout qui a pété. Et du la cagole de l'espace. Exactement. Mais vous êtes. RATP. Mais vous êtes où là? Je vous vois pas. Moi, je suis au milieu. Mais alors. Moi non plus. Ah. Vous aussi? Ça, c'est toi ça? Ah non, ça, c'est Boy. Mais on se voit pas, je crois, si. Bah, je crois que c'est instancié, mais t'es pas forcément avec les gens de ton groupe en fait. Ah, d'accord. Ah. Ok. En gros, faut que. Ouais, je crois que. Bah, du coup, si c'est toi, Ava, qui est chef du groupe, tu sélectionnes une mission, du coup, et on sera ensemble dans le lobby. Alors, juste une petite question. Parce que moi, genre, j'ai littéralement, je vais vous dire, genre, 30 minutes de jeu. J'ai pas joué c'est quoi non c'est, plus. Comme, c'est comme. Vermintide ou rien à voir? Ouais. Attends, qu'est-ce que t'entends par pareil que? Dans le sens où tu réfléchis pas, tu baisses tout ce qui bouge, quoi. Alors, j'ai fait une mission et demie. Et il y a une mission, tu sais, t'as des objectifs un peu subsidiaires, enfin t'as des objectifs secondaires et t'as des trucs aussi que tu dois vraiment faire. Genre souvent, tu sais, il y a une. Ça te rush sur la gueule dans un endroit assez petit. Il y a des ennemis spéciaux qui arrivent à ce moment-là et il y a un objectif à faire. Genre se débarrasser de tel truc ou amener tel truc à tel endroit, etc. Mais oui, c'est bête et méchant, mais par contre, c'est vraiment compliqué. Hein. Ah ouais? Ah ouais, moi j'ai. La deuxième mission, j'ai dit une mission et demie, c'est pas pour rien, c'est que la deuxième. Je me suis pris tout dans la gueule, hein. C'est compliqué. Ah yes, ok. Là ils me disent l'équipier n'est pas indisponible pour le matchmaking, donc non c'est bon, là j'ai parti rapide. Moi je vous quand vois je en bas à gauche, dans le donc truc... c'est bon. Ouais on est ensemble, mais là je suis dans le truc de terminal et il me propose des trucs, mais il met juste parti rapide, sédition, ok je peux choisir. Mais une mission avec une tête de mort, t'as station de vigie oublie à droite, ou à gauche t'as logistratum de l'abîme. Ouais. Mais du coup, ça me dit l'équipier n'est pas. Tu veux que je tente? Ouais, vas-y, parce que moi j'ai pas de. Et, ah, mais c'est parce que Snack il est en prologue. Ah non, j'ai fini. Mais je vois Zongo prologue encore. Hein? Ouais. T'es dans le lobby là? Oui. Genre, moi l'émission que j'ai en droite, c'est rendez-vous au Stratégium, je sais pas quoi. Faut que j'aille dedans. Ah, il faut que tu finisses ça. C'est juste une cinématique, en fait, c'est juste une cinématique. Ah oui, okay. Vous avez fait le training aussi? Ouais. Ok. C'est bon, j'ai fini. Essaye maintenant. J'ai fait E échappe, hein, je te ah, oui. Dire, ah oui, c'est vrai, putain. Mon chat qui m'aurait dit aussi, il y a un truc où faut qu'on reste groupé parce que t'as un système de bouclier qui se recharge plus vite quand on est groupé. Ok. Ah, ok. Bon, là, il me dit que non, il faut que t'ailles vers le terminal, je pense. Essaye d'aller au terminal. Ouais, moi, je te vois encore dans le prologue. Ah ouais, d'accord, faut faire tous les trucs là. Putain, non, deux secondes, je suis désolé. Je pensais avoir fini, mais... Ouais, t'inquiète. Hein. Terminal de mission... J'ai vu le hub là, je me suis dit c'est bon, j'ai fini, mais non, pas du tout, ouais. Ça, je suis content. Pour une fois que c'est pas moi qui ai des trucs à faire, hein, parce que ma communauté m'appelle le vieux, donc... Mais là, ça va, je suis avec des trentenaires, donc ça me rassure. Oui. Attends, mais vous avez fait les entraînements là? Vous les avez fait? Ouais, moi j'ai fait. En phase 1 en fait, si on a juste un à faire, c'est le truc basique. Ok. Par contre, comment t'as fait tes 30 minutes de jeu sans faire l'entraînement toi? Bah ouais, c'est ce que j'allais dire.
Bah moi j'ai fait... Enfin moi j'ai fait échappe, c'est genre j'ai rien fait tu vois. Enfin j'ai rien écouté. Ah le con. Il a fait... Ah mais t'as fait juste la mission prologue du coup. Où t'es tout seul et tu te retrouves à 4 à la fin. Ouais c'est ça exactement. Ah ok. Ah bah c'est normal alors. Et ouais t'en fais juste un et normalement c'est bon. Ok. La création de Zongo a vraiment 30 minutes. Il a fait que créer son personnage. Zongo a un passif limité quand même. Par contre je vous avoue que... J'espère que vous non plus... Enfin... Vous avez pas tout lu quand même, création de perso, parce que les romans sur chaque classe ou chaque passif, bon, compliqué. Hein. Bah c'est pour ça que j'ai un peu de retard. Ah voilà, bon, ok. C'est ce que je pensais. En vrai, c'est assez similaire, il y a des quelques nuances, mais c'est pas... Très photoréaliste, mon perso. Ah ouais, bah tu verras, moi aussi. Hein. Vraiment, une photo. Hein. Véronique Dupuis. Véronique Dupuis, c'était moi quand je traînais un peu trop avec des émos à l'époque. Ah, j'ai eu la chance de pas. J'ai eu la coupe Playmobil, mais j'ai eu la chance de pas avoir les Pokémon. Hein. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a quelques coupes pour les mecs et tout, mais pour les meufs, c'est exactement les mêmes coupes que les mecs. C'est la coupe Cyberpunk, quoi. Ouais. C'est hideux, hein. Ouais, c'est pas. Ils sont pas très très beaux, non. Mais bon, ils sont pas vraiment là pour ça. Eh, j'ai vu que t'avais tâté Ville West, au fait, Ava, non? Ouais. Alors? Ouais. Ah, c'est bien ou pas alors? C'est bien? Bah, tu peux en parler, toi, t'étais sponsor. Oh putain, est-ce que je vais dire autre chose que ce que j'ai dit en stream sponsor? Merde. Non, j'en sais rien, vas-y, dis-moi ce que t'en as pensé avant. Je l'ai trouvé cool, en vrai, je l'ai trouvé assez beau et tout. C'est un bon défouloir, mais extrêmement répétitif et j'arrive absolument pas à rentrer dans l'histoire. Je sais pas comment ils se sont branlés, mais juste. Et c'est trop dommage, mais. Et puis il est très court aussi. Là, j'ai pas fini, mais. C'est un petit jeu, hein. Je crois que c'est un petit jeu et. Comment dire? L'histoire, oui, c'est nanardesque, hein, ça n'a aucun intérêt. Hein. Mais sinon, ça se joue bien, c'est dommage. Non, après, il est hyper agréable à jouer et tout. Si t'as un peu du feeling, bah, justement, à la God of War où t'aimes le fight, tu kiffes un peu. Il y a pas mal de combinaisons à faire qui sont hyper intéressantes, donc ça, c'est cool. Mais c'est vraiment l'histoire. Quand il parle, j'en ai. Enfin, je sais pas comment il se démerde, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Vraiment, c'est terrible. Bah. Ah ouais. Moi, off-stream. J'arrive pas du tout à accrocher. Off-stream, j'ai rejoué, j'ai passé tout, hein, j'en ai rien à foutre. Hein, donc. Ah ouais, oh ouais. Mais est-ce que après pareil, il y a une variation? Parce qu'au début, je trouvais qu'il y avait des variations de fight qui étaient intéressantes. Et après, je me suis rendu compte que c'était les vrais mêmes finish, juste quand c'est les mêmes gros persos. Enfin, tu sais, genre au final, ils ont en termes d'anime. Pas essayé de faire une grosse variation. Ouais. Bah, t'es allé jusqu'où? On va peut-être spoiler le snack. Non. Non, mais vas-y, t'inquiète, hein, tu peux aller. Hein, ouais. Vas-y, t'inquiète. En vrai, il est agréable à tester. De toute façon, tu verras. Mais jusqu'à où je suis allé? Faudrait que mon chat me dise, mais. Ah. Je crois. On va tenter. Je revois, ouais, je vois encore prologue. Hein. Mais toi, moi je vois encore prologue. Va au terminal. Faut cliquer sur le terminal. T'es obligé de faire tous les rendez-vous au Sanctum. Oh mon dieu, mais t'as mis le propos de prologue, il dure genre 3 heures ou c'est comment? Je te l'avais dit. Ah, ok, c'est là-bas. Putain, c'est un bordel. Ouais, tu vas voir encore une cinématique et ensuite tu vas pouvoir rentrer. Ah, par contre, c'est beau. Hein. J'ai le jeu en lot, mais c'est beau. Hein. Ouais, pareil. Ah vache, ouais, t'as avec ta galerie, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, j'avais un peu de temps. Du coup, je me suis dit. Ouais, de fou. Bah, en même temps, vu le nombre de détails et de light qu'il y a, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé le flou cinétique et tout, mais. Ah non, c'est vraiment. Et après, c'est sublime. Hein. Mais je sais pas s'ils ont déjà mis tout le contenu sur le jeu, en fait. C'est ça. Je sais pas s'ils ont déjà tout mis, parce qu'il y a un milliard de missions, mais je sais pas si tout est accessible. Bah, ils ont dit que le jeu était sorti, entre guillemets. Enfin, t'as compris. Enfin, genre, en gros, ouais, c'est une. Pré-sortie, ouais. Une pré-sortie, exactement. Mmh. Donc, il y aura pas de reset ou quoi à la sortie. Mais du coup, est-ce qu'il y a tout le contenu? Je sais pas. Hop, ils mettent tout le 30. Apparemment, il n'y a pas tout le contenu, on dit. Ouais, pareil. Lundi, il y a des nouvelles cartes et tout. Ah, parce qu'il sort le 30, je crois. Et la bêta est jusqu'au 29. Il manque encore des maps. Apparemment, il manque des maps, il manque des types de missions et certains ennemis. Ok, ah ouais. Donc, il y a encore du contenu. Et quelques nouvelles armes, ouais. Ouais, semaine prochaine. Bah, a priori, il a été bien reçu, là, dans les tests qui ont été faits en bêta et tout. Les gens étaient plutôt contents. Ouais, j'avais juste vu que c'était un peu le bordel parfois, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on commence vraiment difficulté bébé, et puis après... Ouais. Après, ok, vas-y, normalement, là j'ai jusqu'au terminal, là, cette émission. Ça c'est bon, ouais, ça y est. Ah oui, c'est bon, bon vista. Let's go. Allez, hop. Oh. Wow. C'est laquelle, celle-là? J'ai la première. Ok. La toute première niveau bébé, j'ai marqué. Mais alors, du coup, j'ai fait ça, j'ai mis jouer... Et là c'est accepté, bon, il va chercher et il y a du coup un las qui va être avec nous. Bon, à mon avis, il va jamais nous suivre et être tout seul, mais... Et ça c'est... Ah ouais. C'est vraiment un mec... Non. Pas mal, oh, hein. Ils sont bien RP les persos, hein. En vrai, on est bien, si on a les deux balours avec nous, là, c'est bien. Deux balours, deux psychos, non, ça va, devrait ouais. être pas mal.
Du coup, mais j'arrive pas à savoir s'il y a vraiment... Ouais, c'est ça, ok. Alors, prête. Ok, autoriser l'accès, oui. Ouais, d'ailleurs, oh putain, les godasses, la vache, les panards de Véronique, là, c'est quelque chose. Hein. Il y a deux orteils sur le bousin. Ah. Attends, ah bah ouais, mais bon. C'est quoi ce stuff? Ah, le stuff, c'est... En gros, là, t'as des armes d'office pour ta classe. Je crois que toi, t'as un pompe, Snaku, et Ava, c'est un péteux. Et si vous voulez, à la fin, on aura du fric et tout. Et on pourra s'acheter dans le lobby, dans le hub des armes. Bon, ton corps, c'est mon bras, mec. Littéralement, mec. Moi, mais j'ai les jambes croisées, hein. Je suis un peu timide. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais... Mec, ton corps, c'est mon bras. C'est en vrai, faut pas que Véronique elle ait un fait pour Zongo, parce que je pense que c'est fini. Ah oui, ah bah alors là, bon, ça rentre et ça ressort. Shaquille O'Neal avec sa copine, quoi. Je te fais pas de dessin. Dans toilette. Ouais, Shaquille, bon, son doigt, c'est une bouteille de cristalline, donc c'est technique. Ouais, de fou, mec. Ah, et vous avez un shot secondaire aussi sur chaque arme. Je sais pas si vous avez checké ça. Non. Je crois que votre arme principale, enfin qui tire, c'est juste une lampe torche. Et arme au cac, moi je crois que vu qu'avant on a la même classe, on a un pouvoir avec notre truc secondaire. Mais je sais plus ce qu'il fait en fait. Tu peux mettre une espèce de truc sur ta lame, tu sais. Ouais, mais tu sais comment on fait ou pas? Moi c'est sur mon... Après faut recharger, je crois qu'il faut faire des coups avant que ça arrive, mais c'est un clic de souris sur le côté. Ok, ok. Mais tu peux le changer, je pense. Tout à l'heure. Et n'hésitez pas. Ce qui est cool, excuse-moi. En fait, ils ont gardé la proportion en termes d'échelle, donc moi je regarde vraiment vers le bas pour vous voir, tu sais. Ah ouais? Ouais. Mec, ma caméra est vraiment plus haute que la vôtre. T'as le FOV bien réaliste et tout, genre. Ah mec, moi genre je suis hyper haut, c'est un délire, tu sais. Ah et puis voilà, vous avez ça aussi, il y a plein de coffres et souvent il y a des munitions. Les munitions genre c'est ultra rare, hein. Faites utilisez c'est votre arme. C'est partagé ou pas du tout? De quoi? Non, pas du tout. C'est pas partagé du tout. Alors là, bon, à mon avis, c'est chacun pour sa pomme. Hein. Ok, ça marche. Oh c'est le bordel ici, oh c'est le bordel, let's go. Et sors ton arme aussi, Snaku, teste voir ce qu'a fait ton arme. Je crois que c'est un pompe mais je suis pas sûr. C'est un pompe, ouais. Ouais c'est un pompe, sa shotgun en fait, à tir unique en fait. Par contre j'entends pas le jeu là, c'est quoi ce bordel? Ah voilà. Oh, je l'ai baissé un peu, les chiens, parce que ça gueule. Les chiens sont insupportables. Ok, c'est bon. Oh putain, wow, c'est vénère. Par contre putain on comprend rien, y'a tellement de trucs à l'écran. Ouais y'a plein de trucs hein, Arbelec. Oh. Bien joué. Y'a plus une vibe Back 4 Blood, tu sais. Ouais. J'avais pas trop kiffé moi Back 4 Blood en vrai. Ah oh, sérieux? J'avais pas trop kiffé. Ah moi nous on a kiffé, on a fini, genre c'était incroyable. Ah ouais? J'avais pas fait les trompettes pour le jeu. Ah, classique, hein. Oui. Mais c'est système de cartes, je trouve c'était cool, en vrai. Ah, ouais, t'avais des ambiances qui étaient stylées, c'est vrai. Mais c'était souvent trop dans le jour, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, franchement, c'était plus ou moins mixé, tu sais. Bah, je sais pas, au début, c'était le truc dans la ferme, je sais pas si tu te rappelles. Et genre, je trouvais ça beaucoup trop... Genre, c'est limite accueillant, quoi. Oui, je vois. Ouais. Moi c'est surtout la variété des ennemis, je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'était assez répétitif. Et puis les... Mais, ah c'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Oh, y'a un sniper. Ah, et hésitez pas à pinguer les mecs qui sont super chauds. Parce que du coup avec Ava, nous on peut les one-shot avec notre pouvoir. Comment tu pinges? Middle mouse, je crois. Ah bah tiens, j'en ai pingé un là. J'en ai pingé un gros. Ah parfait. Ah gros, j'en ai pingé un. Vas-y ping. Bon bah... tu t'en débarrasses plus vite. Hein. Ok. Nous en fait on est plutôt distance. Hein. Ouais, et alors du coup, attends, juste une question. La ville, les barres blanches, elles se remplissent comment? Alors tu vas voir, normalement... Alors moi je peux pas prendre de grenades, mais toi oui. Mais en gros, il y a des stations de recharge de soins, un peu comme dans Half-Life là. Vous vous rappelez ou pas? Ah oui, ouais. Dans le mur. Ok. Il y a des stations avec des batteries, et des fois il y a pas de batterie, faut trouver la batterie pour aller se recharger en vie. Ok. Bon, en fait j'ai bien fait de faire une mission tout seul. Hé hey, Véronique. Pardon. Et qu'est-ce que tu branles, Véronique? Pardon. Réfléchis avec le cul. Mais moi dès qu'il y a un truc, je tape et je vois ce que j'ai fait après. Ah, j'ai du soin là. Vous avez besoin de soin ou... Un petit peu. Soit Véronique et toi, Hugo. Ouais, j'en mets par terre. C'est une aura de toute façon, c'est pour tout le monde si vous voulez. Ah, ça va, on peut passer dessus et tout? Ouais, allez-y. Oh, allez hop. Ok, nice. Belle mécanique. Bah là il y a un gros pour vous, hein. Allez-y, hein. Pétez-le avec le crâne. Je vais. Ah, ah bien joué. Alors par contre, déjà comment on fait pour enlever là? Ah oui c'est ça, c'est R. Quand il y a les mecs devant, je vois rien, c'est toi de savoir la glace. Ah ouh, oh putain quel con. C'est quoi? Ah mais il m'a chopé là. Je suis une balle. Mais non mais il y a un mec qui nous crame le cul derrière, au secours. C'est un méchant ça. Allez Zongo, eh. Il est pas très solide le Zongo. Il est bolos.
C'est bon. Attends, attends, on crame là. Non mais lui c'est voilà, un Véronique. Matin, mais calme-toi toi. Oh j'ai perdu toute ma vie. J'ai perdu. Je pense qu'il y a une station. Ah, ouais, ah il y a une station de vie là, vous voyez. Ah putain, je sais pas si mon ping il marche. Vous voyez le truc bleu à gauche là. Ouais, je vois, je vois, je vois. C'est ça la station. Ok, ouais. Non mais c'est des armes ennemies, ouais, d'accord. Non. Non du tout. Ça c'est dommage, dommage en vrai. Ouais, du... ouais. Lance-flamme, j'aurais bien pris en vrai, je t'avoue. Putain mais je les vois pas ces enfoirés. Réussir à rentrer dans la rue. Par contre c'est kiffant le caca dans le jeu. Je sais pas si taper dans la tête au cac ça change quelque chose ou s'ils ont une hitbox généralisée genre. Je vois, je crois que c'est généralisé parce que je vois mec, pas que... On n'est pas dans Valorant, tu tapes mec, j'arrive pas à viser, putain de merde, juste tape. Ah mais je suis habitué moi. Eh Véronique, viens te soigner hein, parce que là t'es dans les chaussons hein. Ah oui oui, j'arrive. J'ai pas du host. Ouais faut maintenir. Elle a beaucoup de souffle. Mais j'ai une question, pourquoi tu l'as nommée Véronique? Ouais, parce que je trouvais que ça faisait une bonne Karen de l'espace. En fait, je voulais un nom, tu sais, bien Karen, genre I want to talk to your manager. Ok, ok, je vois. Ah, mais j'avoue, voilà. J'ai pas de du musique. Coup, on a cherché, j'ai demandé à mon chat c'est quoi les prénoms d'Aaron, tu vois. Et on a eu Véronique qui est sortie et c'était très drôle d'imaginer petite Véro en train de se battre. J'en connais pas des Véroniques de plus avant, tôt, en vrai. Pourquoi? Parce que je suis une Karen. Merde. Dis pas ça, t'aimes les MILF. Attends, mais comment tu sais? Il y a des infos que j'ai pas là. Oh putain, mais comment elle sait elle? C'est vrai qu'elle passe mon live le soir après minuit. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde aime les miffes. Ah, qu'est-ce que quoi? Activer l'ascenseur. Allô? Ah, ouais, je me tiens dessus. Vous avez de la musique ou pas vous? Ouais, un peu. C'est timide. Oh là! Hey, oui! Putain, je suis trop le con à chaque fois. Oh putain, mais par contre, ça fait de. Moi? Mais au secours! Vous avez des greux, non? J'ai. Snakou, t'en as pas une? Non, mais mec, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un fils de pute, mec, j'allais ouvrir le coffre. L'enculé. Ah ça y est, je déteste les mecs qui lootent tout le temps hein, quand il y a de l'action comme ça. Hein. Ah mec, non mais moi je suis horrible parce que moi je veux juste looter en vrai. Le gros rat. Il y a une horde en fait là. Voilà. Mais attends, mais en fait quand on est paqué c'est trop efficace. Hein. De fou. Attends, j'ai une question. C'est la technoparade là. Vu qu'on est plus stock, nous, et plus gros et tout, est-ce que genre notre... tu sais, notre range de swing, elle est plus large que la vôtre ou pas? Je pense, ouais. Ouais. Mais par contre, je sais pas ce que c'est votre super à vous. Ah là, ça va chier par contre. Ah, faut qu'on reste paqué là. Ok. Oh putain, je vais essayer, je me fais le sniper. Moi, je peux les dash si vous voulez. Alors, oh putain, le chien. Ah, attends. Voilà, ça dégage. Il faudrait que je fasse un coup de super là. Moi aussi, j'ai mon super aussi, jamais. Allez, ça repousse. Qu'est-ce que j'ai pris dans le nez là? Une explosion d'un baril. Ok. Ah, je sais pas où je tire parce que y a je me repack, je me repack avec vous. Heureusement qu'on est en easy, je pense. Hein. Oui. Ah, c'est en easy là. Oui. J'aurais pas dû dire ça, t'aurais dit on est en vétéran. Allez. Attends, oh le gros. Ah, bien joué ça. Je fais mon G dessus. Normalement, il est one shot. Voilà, ça dégage. Oh, GG. Oh, je suis emprisonné. Attends, mais. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a ça là. On fait du bondage. J'arrive! Ah, parce que tu vas caner là! Ouais, bah là, je suis mort, là, c'est bien. Non, non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah oui! Bon, moi, attends, je vais essayer de survivre avec le. Ah ouais, putain, par contre, on voit pas d'où ils arrivent. Je te relève, normalement, c'est bon. Eh la Véro, ça y est, c'est moi qui suis emprisonné maintenant! J'arrive. Je suis là. Ah, la musique, par contre, c'est banger. Hein. Ah merde, y'a Véro qui est down. Ouais. Véro, wake up, man! Elle est au sol. Merci beaucoup. Il y aurait pas le. Qu'est-ce qui vous fait chier? Oh, je me suis fait emprisonner. Non, mais il faut arrêter. Y aurait-il pas. Set me free. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu aimé ça, mais. Ah, d'accord. Elle faisait des bruits vraiment en mode. Oh yeah! Ah! Des gros bruits dégueulasses là. J'ai bien aimé. Ah, par contre, on a plus de soins. Hein. En haut de l'ascenseur, je pense. Attends, mais le truc que t'as posé tout à l'heure là, tu sais, la sorte de soin Dora là, ouais, tu l'as eu comment? Bah, tu sais, dans les boîtes de munitions, tu peux en choper. Ok, et tu sais comment si t'en as une? Tu fais 3 et tu la poses au sol. Moi, j'ai plus de munitions du tout là, par contre, c'est mort. Oh, non, j'ai rien. Je sais pas si on peut les split par contre, ouais, je crois pas. Je crois pas. Pourquoi t'as une jauge mauve, Véro? Je sais pas.
Ah, faut je que sais tu te. En gros, je crois que t'es starbé. Enfin, t'as eu un sort de starbé et. Détraqué. Détraqué, bah, la Irène, Véronique. Dis quelque chose que je sais pas, s'il te plaît. Complètement starbé, la vieillasse. Ah non, en gros, il faut que. Essaye de. Tu sais, t'équipes ton G là, ton psycho. Ouais. T'as pas de folie, genre ? T'as pas un pourcentage non, affiché ? Non, j'en ai pas. Ok, donc c'est juste que t'as besoin de soi en fait. Ah bon ? Pourtant, j'en ai pas mal là déjà. C'est bizarre. Ah, c'est sûr c'est que une... si tu te fais full heal, qui est corrompu ou autre ouais, comme c'est ça, c'est, ça. C'est une sorte de corruption dans le truc. Là. Ouais. Oula, vous avez vu la Smala là ? Ouais. Oula, oula. Okay. Je tire dans le tas. Hein. Okay. Y a Zongo qui loot tout seul. Non, en fait, je suis dans un piège. J'arrive, je suis là, regarde mec. C'est quoi ton pouvoir du coup ? En fait, je fais F et je dash sur les ennemis. Okay. Je marche du F, on est d'accord. Hein. Ouais, le F, le F. Ouais, ça, c'est ouais, je dash sur les ennemis. Ouais, tout le monde est sur ma gueule là. Mais il a scanné lui là, le. Ah, c'est vraiment kiffant par contre le caca. Hein. Moi, j'avais pas testé Vermintide. C'est propre. Ah, moi non plus, j'avais pas testé. Allez hop. Non, mais c'est trop stylé. Il y a deux munitions par contre dans le jeu. Hein. Catastrophe. J'arrive, allez, ça dégage. Allez hop. C'est vraiment de la purée quoi. Ouais. Et encore là, c'est calme, hein, je trouve. Véronique, passion smoothie. C'est parti. Vas-y, prends ton jus. Prends un jus. Pas très détox celui-là, je te le cache pas. Mais... Y'a de quoi faire, hein. Y'a de quoi faire, exactement. Je crois qu'il y a un milliard de loot là. Celle-là, je l'ai faite de mission. Ah, j'y vais alors. J'avoue que. Ouais, en fait, tu réfléchis pas quoi, juste tu baisses tout en vrai. Il y en a un dans mon chat qui me dit oh, ça va, level 1, y'a pas encore grand monde. Oui. Non, mais tu veux. Non, mais. Je vais déchanter, il est tordu lui. Comment ça, pas grand monde, vous êtes des ouf ou quoi? Je crois qu'on s'est split. Mais moi, les gars, ma CG va pas tenir hein, s'il y a beaucoup plus de monde que ça. Tu galères? Il a une 3000 qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est une 4000. T'as pas une 4000, ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as une 4090 toi donc. Ouais, moi j'ai une 2080, t'inquiète, elle va souffler. Ah oui, bah je comprends pourquoi t'es en low hein. Ah bah oui, hein. Bah, en vrai, désactive le ray tracing. Hein. Bah ouais. Même si c'est 2080. Mais même genre à une résolution subsidiaire. Ouais, mais je suis en lolo hein. Ah ouais, t'es en lolo. Je suis lolo. Ah, il va falloir que je change bientôt. En vrai, ça. Bon, ça a baissé un peu. Fais marcher ton entreprise, j'ai envie de dire. Ah oui, non, je vais partir les contacts. Bonjour, je suis streameuse. Allez hop, bonjour, s'il vous plaît. Nvidia, ouais. Vous savez, il y a moyen. Je suis pas pour grand chose, mais ça, je veux bien, c'est mon. Bon, qu'est-ce que c'est. Quoi ah ouais, ça, alors ça, clic droit, clic ouais. Gauche dans sa gueule, tu sais, notre pouvoir à voir. C'est trop fort. Ah ouais, ok. Ça, faut que je me soigne ici. Ouais, je vais canner. Ouais. Bon, elle m'a focus, mais. J'essaie de. J'arrive. Merci Arnaud, ça, merci pour... Ça va le son là ou pas les gars? Mais tu vas arrêter. Moi dans mes oreilles c'est parfait mais je préfère que vous me dites si c'est... Oh non! C'est ouf lui, mais fais quoi là? Comment oh, ça putain, victime? Véro debout. Véro... En fait il t'a sucé. Ah... Mais attends mais... J'avoue, t'es... sauvetage mais... En fait non, il est vraiment... Il, en fait il l'emmène dans une dimension... Je me suis fait aspirer là. Ouais c'est ça, il t'a vraiment... il t'a happé. Normalement, je crois que c'est comme dans Left 4 Dead, c'est tu faut ouvrir une cabane ouais, un peu plus armement. Loin. Ouais, voilà, c'est exact. Ouais. Ah bah voilà, c'est ça, je suis dans un purgatoire là. Ah oui, je vois là au loin. Si, moi je vois. Ah oui, go. Je suis loin. Oh, bah vas-y, loin. Force mon ref à demain, parce qu'en vrai, t'es archi loin. Hein. Faites un pixel sur mon écran. Faites quand même gaffe sur le chemin, parce que bon, c'est la seule mission que j'ai faite, mais je m'en rappelle ici, j'avais galéré. Hein. Ah, mais ah, bah déjà, ils sont un peu plus solides que. Sinon, couvert-toi directement, non? De quoi? On couvre toi directement pour te soigner. À mon avis, te libérer. Il y a toute la Smala, il y a une manif qui va vous suivre, hein, c'est sûr et certain. Ah oui, vous okay. Êtes là, je vous vois. Je les jaune qui vont arriver. Ah ouais, c'est sûr. Ah bah. Oui. Shift Z, okay. Shift Z, let's go, tue-moi. Faites le dash de côté tout le temps, si ça se trouve, c'est plus rapide que courir, non? Je sais pas en fait. Ah non, il y a un gros là, faut le baiser lui. Ok, je vais faire un... Ouais, vous êtes pas si loin en vrai, dans deux salles, oh, vous êtes à côté. D'ailleurs, sérieux? Non, j'arrive. Merci Spoke, bon. Merci Kiran, merci Sake. Ouais, je crois que ça y est. Ah, bah, du coup, c'est bon le son. Encore non, ça va rien. T'inquiète. What the fuck? Alors, il va se calmer lui. Tu peux changer de vue, Hugo. Comment ça? Voilà, en appuyant sur quelle touche? Ok. Bah, il t'a foncé dessus. Ah, putain, merde, toi. Ah, ouais, ok. En fait, je peux vous spectate. C'est trop bien.
Attention, il y a un gros qui arrive là. J'ai une vue directe sur la porte. Hop, je plaque contre le mur. Et je lui fais une hue. C'est bon, il est mort. Ah, mais ouais. Et CRS en manif, ça me termine. En effet, le truc avec le FOV là, c'est stylé là. Je te vois vraiment de haut. Hein. Ouais, on est d'accord, t'as vu hein, par rapport à. Ah ouais, t'es gigantesque sur le machin là. Bon, j'arrive, Hugo. Oh. Je viens te libérer. Vas-y, vas-y, j'attends. Il y a un truc qui nous tire dessus avec une. T'es en live et faut proposer du contenu. Voilà, c'est ça. Viens me sauver, s'il te plaît, parce que là, les gens se barrent. Bref, j'arrive, j'arrive. Abonnez-vous hein, les amis, je libère Hugo. Fais gaffe, il y a 3 mecs hein. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah, il y a pas que 3 mecs en fait. Dégagé. Ouais, t'as avancé. Derrière toi, Zongo là. Putain, mais les gars. Allez, gros doigt de pied, voilà. Ça c'est bon. Cimer. Help me please, man. Merci beaucoup, Slack. Je crois qu'il y a un soin pas loin si vous voulez aussi. Putain mais j'ai pas respawn avec tout le soin, ok. Attendez. Oh. Wouah, et gros, pas être plus trou ici, hein. Putain, je suis tellement petit quand t'es grand comme ça. Ok. Véro, ça va, tu gères? Ouais, t'es bien. Wouah, Véro full life. Attends, Véro full life, y'a un bug, je crois, non? Ah, je me suis fait emprisonner. Oh non. Non. Le cri de merde que j'ai fait. Aïe. Bah allez-y. Ah bah c'est une manière comme une autre, mais bon. Non, mais je t'ai libéré. Attendez, moi je reviens avec vous parce que je vais encore canner. Hein. Ok, vas-y. J'arrive. Il doit y avoir du soin là-haut, je pense. Putain, l'expression CLQ n'a jamais pris autant de sens. Ah, ok, gueule, toi. Attends, quoi? Répète. CLQ. CLQ, tu connais pas l'expression? Ça me scie le cul. Faire ciel cul en deux. Cul, ok. C'est une expression bordelaise, c'est ça? Ciel cul. Le ciel et le cul. Non, je dis, ciel. Ça c'est deux choses différentes. Hein. Ça c'est une nouvelle pratique. Non mais tu sais, aïe, tu sais que en fait jusqu'à très récemment, tu sais genre quand le passé du coca à l'âne. Ouais. Tu sais, le coca à l'âne. Ouais. Je pensais que c'était passer du coca à l'âne. Ah ouais, non mais là par contre il y a un problème. Ouais. Non, parce que moi il y a des potes qui disaient passer du coca light pour rigoler, mais si bah coca à l'âne, tu penses que c'est ça, bon. Je suis sûr que c'est du coca à l'âne. Attends. Allez, alerte canigou, c'est bon. On a fini là déjà? Non. Je crois qu'il y a un autre truc vrai... après. C'était nul. Après, en vrai, vu que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, ça marche aussi pour l'expression. C'est pour ça aussi, ouais, que ça fait longtemps. Ouais. Ah, mais merde, c'est ouvert. Yes. La tôle. La tôle. C'est quand le jeu devient dur? Si on monte de niveau. Hein. Oula. Ouais, je te dis, si on met un niveau plus élevé là, tu vas chouiner un peu. Ouais. Ah putain, y'a le mec avec la sulfate, c'est trop chiant ça. Vous pouvez me le pinguer? Ah, je crois que c'est bon en fait. Alors, y'a un truc vraiment, faites-le, c'est trop bien. C'est clic droit, clic gauche, c'est pour les repousser. Ah oui, quand t'es au cac. Au cac, ah, mais ouais, moi j'ai ça aussi. J'avais un. Putain, j'avais oublié. Hop, lui il est mort. Je peux tous les faire tomber avec notre truc là, notre faculté. Avec F, je crois, pour toi, Hugo. Ouais, normalement, c'est ça. Ça les fait tous tomber d'un coup. Allez, hop, c'est bon. J'ai tué normalement les mecs aux sulfateuses à distance, là, c'est bon. Oh là là là. Ma vie, je vais ma vie qui est inexistante. Oh la ah. Oh putain, sur la gueule. Ah, ça vous a fait jumper, hein. Voilà. Ça, je prends. C'est bon, vous risquez de la vie quelque part. Si vous trouvez de la vie, voilà. Je prends l'air. Ouais, t'inquiète. Je pense qu'il y en a dans pas loin. De vie, là, pour moi. Ah oui, j'avoue, t'es pas très bien toi. Ah bah aussi. Moi j'ai tout tanké, hein. Pour première ligne, t'inquiète pas. On est dans les godasses. Tout ce qui est sulfateuse, lance-grenade. Putain, le recul de l'âme par contre, vraiment cool. Hein. T'as une arme là? C'est quoi cette arme? C'est un truc que j'ai acheté après justement avoir fini cette mission avant. Ah ok, d'accord, ok. Donc là, donc en gros, tu spoil quoi. Bon bah, écoute, je voulais pas te le dire mais. Ce sera pas une surprise hein, pour tout à l'heure. Hein. Putain, et vous me laissez tout seul. Ah, c'est quoi ça? Oh putain, il m'a fait peur ce con. Ah, ça m'a gueulé dessus. Ah bah c'est Zango ça qui saute. Allez hop, ça dégage. En vrai c'est pas si bien. Oh la vache. C'est plus impressionnant que ça. Non, en vrai ouais, il est tout pété. Mais par contre en fait c'est comme le... Ah bah attends, je l'ai entendu arriver le mec. Le tank dans les fordeltiques qui chope là. Le boomer. La voix aiguë. Ah, le chargeur. Le chargeur, ouais c'est ça, c'est ça. Oh la vache, il m'a surpris hein. Ah bah on l'a entendu. Je suis super viril hein, en vrai, vous inquiétez pas. T'as pris 6 octaves. Ah mais j'ai entendu le machin résonner derrière en mode y'a quelqu'un qui me course dans la douche, bon j'ai serré les fesses hein. Ah moi j'adore. Non, mais... moi je me suis écarté, il a pris quelqu'un d'autre à ma place. Moi j'aime bien.
Il y en a encore derrière. Bah ouais, bah vas-y, on l'a laissé. Ah, Véronique, hop là. C'était quelqu'un, ton ampleur, Snaku, t'étais le seul à pouvoir gérer. Ah, mais moi, je t'avoue que j'ai pris du plaisir. Ah oui, je crois qu'on est pas loin là. Est-ce que quelqu'un veut des munitions? J'en ai pas besoin. Non, ça va, j'en ai pas besoin non plus. Bah, en fait, je t'avoue que le pompe, en fait, met tellement de temps à recharger que j'utilise même pas en vrai. Après, t'as vu le pompe, mais... gros, mais... la taille de la. Ah, du trou de l'arme là, c'est une catastrophe. Hein. C'est pas, c'est ah ouais, pas une chevrotine. Hein. Bah, je peux faire rentrer Ava dedans. Véro, ouais, rentre dans le canon, s'il te plaît. Y'a une guibole qui rentre. Hein. Sensation inédite. Non, mais par contre, Ava, ton pistolet, tu as sorti de ton pistolet toi aussi là. Le petit pistolet de merde. C'est une caméra, c'est une caméra. Ouais, on dirait une GoPro. Attends, tu le mets dans le nez. C'est hideux, hein. Attends, mais je mais sérieusement, ah, ah, voilà. Moi j'ai pas d'armes. Captain. Oh, j'ai vu Captain Scott. Spam ton. Vas-y, Zongo, tu le chopes au cac. Oh, et nous, Ava, on fait notre truc, tu sais, clic droit psycho là, c'est trop fort. Mais il m'a encore focus, cet enculé là. Ah, de là-haut. Normalement, le truc chargé à 100%, ça fait des dégâts contre. Ah, par contre, je suis en folie, hein. Ouais, tu fais R quand t'es. Ah, mais ça me tue! Ah, oui, ça te tue! Faut que tu fasses R pour te remettre quand t'as la compétence activée. Vas-y, faites-le venir sur ça là! Le truc au sol qui pète. Attends, vas-y. Ah, nickel. Ah, bah, voilà. Ah, c'est bon, Zango. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tout psycho machin. Oh, la musique par contre! Attention! Ça va péter là! J'ai éclaté mon pote puisque le boss, hein. Ça fait des dégâts, ça ou pas? Et ça peut être son bouclier, quoi, mais. Oh la vache, les champs et tout, mais on dirait de Doom Eternal. On dirait un peu Hellblade aussi. Ouais. Ah, je démune par terre, je démune. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Go, go, go. Allez, on le termine au doigt. Oh putain. Allez, ça dégage, ça dégage. Il s'appelle Sigrun. Ah non, ça se compte, c'est Sigrun dans God of War. Allez, deux doigts de mourir là. Oh putain. Allez, finissez-le. Voilà. Ça dégage. Ah, c'est kiffant quand même, hein. Allez, on fait nettoyage. Bougez vos mains là. C'est vraiment Rammstein qui a commencé à jouer au balcon, tu sais, genre. Ah, mais il y avait, tu sais, la chanson dans Doom Eternal où t'as les chants là. Hey, oh, ouais. Hey. Ça faisait exactement comme ça. Moi, ça m'a fait penser à la bande-annonce de Hellblade un peu. Les nouveaux chants là qu'ils ont mis. C'est Noise Secret Face là. Ouais. Je l'ai pas fait, ouais. Fait, vous l'avez fait celui-là. Le premier. Non, mais le premier, oui, mais. Premier, non, du non, mais coup. Le premier, ouais, il est bien. Pas fait. Il est. Ok. Il est bon défouloir. Le 2 va être pas mal, je pense, par contre. Okay. Mais faites le 1 avant de faire le 2 parce que tu comprends un peu l'histoire et. Ouais, moi, ça m'avait saoulé un peu parce que c'était très couloir et uniquement narratif. Oui, par contre, ouais. Mais bon. Ouais. Ouais, non, c'est le cas. Mais en vrai, les phases de fin de fight sont plutôt cool. Enfin, c'est assez. Franchement, c'est un bon défouloir. Mais je pense que le 2, justement, ils vont faire un truc mieux parce que c'était un petit studio à la base. Hein. Oui, c'est tout petit. Bah, comment il s'appelle déjà? C'est Team Ninja, je crois. Non, ou Ninja. C'est Ninja quelque chose, j'ai oublié. La théorie c'est. Ninja Theory, c'est ça. Ils ont un jeu d'horreur dans les bacs aussi qui a l'air vraiment incroyable, j'ai oublié ce que c'est. Et ouais, il y a Hellblade, du coup, bah, le jeu il a l'air magnifique, hein. Hellblade de toute façon. Le trailer avec le géant, le bras là, ça a l'air trop stylé. Non mais c'est pour ça là, je pense qu'ils ont un peu de budget. Moi ce qui me fait juste peur, c'est que ça devienne un peu trop de la cinématique dans tous les sens, plus que du... Ouais, mais il faut... ouais. Bon, après un bon jeu narratif, ça me dérange pas. Hein. Ouais mais là dans la partie de gameplay, c'était 80% de... Ah, dans le 1, tu parles cinématique, tu vois. Non, là, dans ce qu'ils ont montré. Ce qu'ils ont montré, ouais. Dans le 2, ouais. Ouais, donc faut voir. Si vous voulez des armes, tiens, venez. C'est à gauche. Attends, gauche. J'ai une cinématique là. Ah, moi j'ai fait chape. Ah. Il a bien raison. C'est bon, hein. C'est bon. Ok. En gros. L'histoire n'est pas. Là où vous avez respawn, vous allez à gauche et il y a un truc qui s'appelle échange d'armure. Putain, mais je vais vomir ou quoi là. Échange d'armure. Et vous pouvez acheter des armes direct. Ah. Et moi, ce que j'avais, c'est fusil. Ah, il y a fusil laser. De mandat et de curiosité. Fusil laser, c'est à la stylée, hein. Oh, t'as la hache de combat, Snaku, si tu veux. Ça a l'air propre. Ouais, mais alors, attends. Comment je vois mon équipement à moi? C'est quoi? C'est I, c'est ça? Alors, tu fais ouais, échappe. I, okay. Ah, I, ça marche? Ah, ouais, ouais okay. I, ça marche. Ouais, I, ouais. donc, on a griffe du diable et pistolet laser lourd. C'est ce qu'on a, un pistolet laser déjà? Je crois, MG. Ouais. Okay. Merci Dubranlette. C'est la cote, c'est ça le chiffre avec les chevrons. Merci Dubranlette. Logiquement, c'est ça.
Parce que du coup, il n'y a pas de stats, enfin des stats de dégâts, etc. Mais... Non, j'avoue, ouais. Il y a juste marqué 85, donc j'imagine que c'est mieux si tu... Et c'est cher les fringues, là, putain. 18 000 balles en froc. Regarde la fashion, là. Ah bah, moi, je vais être beau, ouais, dans le jeu. Attends, 18 000 balles le froc, ouais. Oh, putain. Sur le trottoir, les fashion. Allez, hop, les fashionistas, là. Je veux pas un truc mémérisant, j'ai même pas de godasse. Non mais j'avoue, tout à l'heure, j'étais là, le rouge va mieux avec la peau de mon personnage. Prends une épée de force. Ah, j'ai envie de prendre une grosse épée. Pour ma classe, c'est bien, épée de force. Ah bah, je le prends. Allez, moi, je prends l'épée. Waouh, 20 000, mais ils ont pété un plomb, eux. Ouais, t'as vu, c'est cher. Hein. Mais oh, attends, je suis qui pour avoir 20 000 dans le jeu? Oh, tu vas vite le savoir, mais un alien, certainement. Hein. Tu vas goûter... 35 000! Putain, mais. Attends, c'est du cosmétique ou c'est vraiment des. Non, c'est cosmétique. J'avoue, les fûts, ils sont à 18 000! Ah, t'as vu? Tout ça pour un slim. Est-ce que vous avez des bugs aussi au niveau, genre, quand vous êtes dans Weapon Cosmétique, genre, vous avez les fonctions? Moi aussi. Ouais, ok. Je localisé de lock autogun, là? Ouais, dans Weapon Cosmétique, tout en bas, là, genre, red le nom des trucs. Ah, dans le shop, tu veux dire? Ouais. En bas, t'as cosmétique et ils sont les noms des trucs. Il n'y a pas les noms, c'est genre Localize, Lock or Green, Power Mall. Ah oui, en effet, ouais. Oh la vache, c'est en cours, hein. Il y a le stagiaire qui est en train d'écrire les textes, hein. Ah, il a jusqu'au 30, hein. Il y a juste Opérative Cosmétique Comestible, hein. J'ai faim, hein. Qui marche. Ouais. C'est compliqué, là. Pas bouffé depuis ce matin, là, j'ai la dalle. Merci, Magie. D'ailleurs, je vais faire pipi. Vas-y. Attends, mais on peut pas vendre les armes qu'on veut plus? Ah si, tiens, c'est ça que je voulais checker aussi. Parce que là j'ai une arme, je m'en bats les couilles, je veux la vendre. Attends. On peut pas, y'a pas à vendre, je crois. Je crois qu'il y a un truc, y a plusieurs shops de toute façon dans le lobby, mais je sais plus où est-ce que tu peux... Tiens, bah si le chat vous savez, n'hésitez pas à me donner l'info parce que j'aimerais bien me débarrasser de mes vieux trucs tout pourris dont j'ai jamais servi en fait. Je crois pas que ce soit là, Requisitorium. Non, c'est pas là. Ou alors il faut un niveau plus élevé, non? Faut la jeter depuis l'inventaire et ça vend tout seul. Ah ouais, ok, d'accord. Faut faire débarrasser Snaku. Ouais, apparemment, faut faire débarrasser dans ton inventaire. Donc ça, si je veux... Débarrasser? Jeter, tu veux dire? Ouais, j'ai peur que... Vous mentez, là, non? Attends, non, c'est bon. J'essaye. C'est bon, ok. Ok, parfait. Allez, parce que ça fout chat, on connaît. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'est déjà arrivé que bon, hein. Ça m'a aiguillé sur un mauvais indice. Ah ouais, t'inquiète. Eh putain, Snaku, ça fait plaisir de te parler, hein. Enfin, je trouve quelqu'un qui aime Death Stranding, ça fait plaisir. Bienvenue au club. Oh, sérieux? T'as kiffé? Ah bah attends, moi j'avais la bite de Kojima jusqu'au fond, hein. De avant la sortie jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc on est une rare espèce, et ça fait très plaisir de te croiser, hein, parce que putain... Non, mais la convaincre, que... hein. Non mais gros, mais tu sais que moi, chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit « Ouais, non, c'est chelou, non, c'est nul. » Bah, pareil. Je te demande, mais les gars, mais vous étiez baisés ou quoi? C'était incroyable. On me chie à la gueule à chaque fois. On me chie à la gueule. Genre, t'as fait des tyroliennes ou pas? T'as fait des tyroliennes de baiser? Ah bah oui, bah sur ma partie originelle, je sais pas, t'avais eu le jeu avant qu'il sorte à l'époque ou pas? Alors, moi, j'avais le jeu avant qu'il sorte sur PlayStation. Ouais. Et en fait, je galérais avec le framerate, etc. Tu sais, c'était pas très fluide. Ouais, ouais. Et du coup, j'avais dit, c'est quoi, genre, on refera sur PC. Et du coup, je l'ai fait sur PC quand il est sorti là en. Tu vois, il y a quelques années, il y a quelques là, mois. Et en vrai, c'était... Non. Pas la définitive édition, hein. Vraiment. Ah, celle, oui, ok, je vois. Oui, ah, qui bon, était sorti genre 4 ou 5 mois après la sortie. Death Stranding. Death Stranding. Mais t'en pensais quoi, avant? J'ai pas fait encore. Elle l'a pas fait. Oh, faut que je le fasse, il est incroyable. Mais je vais pas le faire en live. Je vais faire de mon non, côté. Non, je pense pas qu'il faut que tu le fasses en live. Vraiment. Bah, justement, c'est ce qu'on disait. Bah, en fait, c'est bien. Tu vas éveiller la curiosité des gens qui ont dit, mais c'est une simulation de Burrits, en fait. Et ils vont se dire, c'est vraiment pas mal, mais ils seront une minorité, je pense, et ça va que faire. Moi, franchement, juste de mon expérience, je crois que Snaku, tu l'as fait en entier, je crois. Mais, ouais, j'ai tout fini. En live, je parle. Et, oui, tout en live, ouais. Ouais, t'avais tout fait en live. Mais moi, ce qui était chiant, c'est que toutes les 10 minutes, t'avais un connard qui venait et qui disait, mais c'est Uber Eats. Et qui disait, mais pourquoi il y a autant de cinématiques? C'est quand qu'on joue? Je comprends pas. Ah, mais faut mais moi, les mecs, ils je baisais leur mère, moi. Bah, moi aussi, puis j'en avais marre de. Faut pas baiser pas tout le monde dans le chat. Hein. Mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, tu peux en profiter si tu fais sur une putain de télé, bon setup son et tout, tu vas kiffer de ouf. Hein. Bah, ouais. surtout qu'en plus, il y a la Director's Cut édition qui est sortie là, ouais. de Death Stranding, et qui ajoute vraiment des trucs de fou. Mais vraiment, genre, tu sais que moi, ça simplifie peut-être un peu trop le jeu, mais. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Hein.
En vrai, tu trouves pas que ça rend un peu plus accessible, tu genre Ok, je vois de quoi tu parles. Oui, effectivement, ouais. Je passe pas la va, mais oui, effectivement. Mais sinon, en vrai, non, tu vas prendre ton pied, quoi. Ah bah, tu manges quoi? Un Kinder. Aïe. Un Kinder. Aïe, déjà. Avec du pain. Ah, avec du pain, mais c'est quoi mignon. Ce snack de merde là? Mais arrête, en fait, tu mets deux morceaux de chocolat dans un petit bout de pain de mie replié. Bah attends, un Kinder surprise, genre l'œuf, il est bloqué. Non, les Kinder, tu sais, les barres. Ah oui, ok. Les barres Kinder. Bon, ça d'accord. Mais bon, avec du pain, bon, c'est un peu. Il faut un pain au lait quand même, quelque chose. Ah non, mais c'est trop sucré le pain au lait. Alors que là, il y a un petit sucré salé avec le pain de mie, tu vois. Allez hop. Qu'est-ce que je parle avec une meuf qui fait des brocantes de toute façon, ça sert à rien. Oh là là, ça part trop mal. Ouais, mais tu sais qu'à la brocante, j'ai acheté. On a failli acheter une tête de nonne morte. Vas-y, l'inventaire de la vieille. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Un vieux bibelot, c'est ça? Des petites poussières sur le bibelot? Un crâne non, une naine morte. Ah putain, non, stylé, je rigole. Ah, stylé. Mais oui. Ouais, en fait, il y a des cabinets de curiosité là-bas. C'est quoi ta crémaillère? Le machin, il va être cassé direct. Tu veux, mec, mais faut venir à Bordeaux. Hein. Déjà qu'on n'est pas arrivé à se capter à Paris. J'ai piscine. T'es où toi, Snaku? Je peux pas venir. À Paris, Paris. Non, mais. J'habitais dans la même ville que lui, on s'est jamais vu alors. Mais grave pas comme ça que t'habites dans la même ville que moi. Mais n'empêche, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Je pouvais me déplacer, j'étais à Saint-Denis, qu'est-ce qu'il me dit? Moi c'est pareil, hein. Alors, moi genre avec Terra, on habitait pendant 2 ans dans la même ville, on s'est vu peut-être une fois je crois, 2 fois. Mm. Alors qu'on s'adore, vraiment, on s'aime. Et c'est souvent comme ça. Oh la vache, oh le framerate. Ah non c'est bon, j'ai eu peur. Ah oui, moi aussi j'ai eu peur. Ah ouais, 140 FPS. Ta gueule toi, 40-90, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'est pas tous sponsor Nvidia putain. Je suis pas sponsor Nvidia, putain. Je suis Nvidia, je suis pas sponsor bordel de merde. Oui, voilà, c'est ça, vous êtes très amis. Attends, mais c'est des ennemis. Très très proches. Ah non, ils sont gentils. Vous avez pris des nouvelles armes du coup? Oh putain, oh l'épée, elle est une masse, nouvelle masse, épée. Ah, pareil. Ouais, pareil. Oh, attends, c'est quoi ça? Paul. Attends, c'est la quai. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait lui? T'es tombé, non? Mais c'est un sketch? Attends, bouge pas de là, Zongo. J'ai toi. Ah bah, fais-moi confiance, j'ai toi. Ça fait comme dans Left 4 Dead et Back 4 Blood. Allez bien. Voilà Véronique, c'est pas grave, ça glisse. J'adore parce que il y a que dans les jeux vidéo où on te dit jette-toi et tu jettes. Rien qui va. J'en ai rien à foutre de ma vie. Attends, t'as pris la même épée que moi, va ou pas? Ouais, j'ai la. C'est quoi le clic droit là? T'as une aura aussi autour? Ouais, à mon avis c'est pour te protéger, mais ça doit être un peu plus puissant que. Ah, tu repousses en faisant clic gauche, clic droit. Ah, et voilà. Et du coup, un des clics, tu vois, là j'ai mis de la. Merde, je sais pas si t'as vu, regarde, j'ai fait ça. Et c'est ça le. Ah merde, je l'ai par pas contre, ça t'utilise du truc psy. Okay, mais moi je suis un chien, genre. Ah, toi t'as rien, hein. Toi tu mais ouais, moi j'ai rien, moi j'ai une pelle. Et t'as rien acheté? J'ai qu'une pelle. Bah si, mais j'ai acheté une pelle, mais y'a pas de pouvoir dans et ma le pelle. Mec, il fallait économiser encore une mission. Et quoi? Je crois pas que t'as des pouvoirs avec et ton. Et quoi? J'ai économisé. C'est ouf. Allez vas-y, va creuser des trous dans l'espace. Non, mais moi j'ai pas de pouvoir moi. Je pense que vous avez une spé psy, non? C'est psycho ou je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu. Par contre, le framerate des fois il est en mode. Bah franchement, 1920-1080 tout en low, pas de DLSS. Merde. Ça passe. Bonjour. Salut. Ça. C'est ton rush qui a fait ça là? Ouais, c'est mon rush. Ouais, c'est trop bien. De ouf. Oh ouais, j'ai bien fait d'acheter l'arme. Je sais pas qui m'a conseillé dans le chat, mais merci parce qu'elle est bien. Ça va. Non, c'est faux. Ah d'accord, pardon. Aucun bon goût. Du crédit. Ah oui, d'accord, et quand tu fais clic gauche, je leur fais un. Wow. Oh vache. Ah, y'a Médor qui me. Ah, merde, le visage. J'arrive. Médor. Oh, il est mort, okay. Merci. Ah, par contre, ça fait pas une attaque transversale, j'aime pas trop. Taper plus au moins. Hugo, rien à voir. Oui, dis-moi. Je me permets de tuer un peu la bite vu que t'as les Death Stranding. Ça fait plaisir. Bah écoute, j'adore ça. Ça fait du bien, ça passe. T'as fait Outer Wilds ou pas? Non, justement. On me l'a conseillé, reconseillé, mais j'ai pas tâté. Bon. Moi, j'arrive pas à le faire. Pourquoi? Genre, c'est dur à rentrer dedans? Ça fait 3 fois que j'essaie de le faire et le fait d'avoir une mécanique qui me fait recommencer à zéro, ça me fait péter les plombs. Ça fait chier, genre. Mais pourtant on m'a dit qu'il était incroyable. Bah après, t'as jamais kiffé un roguelike ou un roguelite comme ça? Bah si, mais en fait tout ce qui est
ou c'est juste une mort où je dois recommencer. Oui, mais là, recommencer à zéro et devoir me retaper tout le parcours. Ouais, mais moi j'ai pas assez avancé, je pense. C'est quoi le topo du truc? Ça laisse des traces. Ce que tu as fait, ça laisse des traces sur le monde, c'est ça? Genre, il y a une planète qui se détruit à chaque fin de cycle, non? Je ne veux pas spoil, je ne vous dirai rien, ok? Chat, ne dites rien, spoilez rien. Okay, okay. En fait, pour moi, que tu découvres le jeu, tu vois. Je t'assure, Ava, Hugo, c'est mon GOTY de l'année dernière. Ouais, mais je veux bien le croire, vraiment. C'est mon GOTY. J'ai vu tellement de gens en plus qui ont des bons goûts dire ça que bon, je vais te croire, hein. T'as aimé Death Stranding? Ouais. Bon. Est-ce que vous jouez à Warzone 2 aussi? Parce que j'aime beaucoup aussi. je suis pas encore tombé là-dedans, je t'avoue. Joke, c'est très lourd, Warzone 2. Il essaie de trouver des amis. Mais Warzone, j'ai jamais trop réussi à me mettre dedans. Je suis plus à fond dans CS Valorant que ça. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Mais j'aime bien. Ah! Qu'est-ce que c'est derrière? Attention derrière! Grenade! Et du coup, t'as pas de grenade? Tu peux pas jeter de grenade, Snaku? C'est bizarre, n'empêche. Si, j'ai une boîte avec une grenade. Ouais, voilà, c'est ça. Oh. Je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts par contre. Ah, c'est pourri? Non, c'est nul. Ouais, c'est nul. Ok. D'ailleurs, pour la jeter, la grenade, tu fais comment? J'ai. Oh, bah, moi, c'est les pouvoirs psy. Ouais, attends, en fait, notre classe, on peut pas avoir. Ah, ok. Ah, ok. On n'a pas le droit. Ah, Ava, on peut pas tout avoir. Hein. Tu vas avoir du psy et de la grenade aussi, hein. Fais pas chier. Non, hein. Mais attends, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Je suis très bon, pardon. Merci, Ava. Ouais, je sais. Je veux tout, Snaku, je veux tout dans la vie, d'accord? Je sais, t'es comme moi, putain. Ce que j'ai pas, je prends, d'accord? Je veux le beurre, la beurrière et tout le monde, mais on peut pas. Le cul de la crémière. C'est tout. Le cul de la crémière. Il y a du monde là où je suis, hein. Ouais, mais quoi, t'es pas super. Bah, venez m'aider. C'est un appel à l'aide au cas où, hein. Bah, amuse-toi bien, écoute. Ah, bah putain, je vois bien comment ça se passe par chez vous, hein. C'est un niqué, le boss final, frère, mais calme-toi aussi là. J'ai acheté une épée, autant que je m'en serve. Faut bien la salir, cette histoire. Ah bah du coup attends, voilà, je note pour parce que j'aime bien découvrir des petits jeux comme ça, donc mais là je suis dans une période où j'ai envie de jouer à des vieux jeux, des trucs que j'ai pas fait, donc j'ai acheté un jeu sur PS5 qui s'appelle Incredible Crisis et ça a l'air trop bien, donc. Ah, je connais pas, c'est quoi? C'est une sorte de party game mais avec un solo. En gros, t'enchaînes les mini-jeux et t'es dans la peau d'un employé de bureau et lui il se passe que des dingueries, et tu sais, c'est du button mashing, des jeux à la Mario Party qui s'enchaînent. Ok. Ça a l'air vraiment marrant. Okay. Oh, le chien! Oh, pardon, j'ai peut-être un peu gueulé, mais. Jusque le. Excusez-moi. Je peux pas faire ça en vrai. Il est là! Eh bah, je te l'avais dit qu'il était là! C'est bon! Oh bah la vache, il a volé le machin. Mais je lui ai mis une dernière sentence dans la gueule. Inspecteur de boxe. Ah, si vous avez. Ah non, c'est bon, en fait, j'ai des munitions, ça va. Quoi comme jeu encore de ouf que j'ai fait récemment? Scorn, vous l'avez tous fait, Scorn? Ouais, Scorn, adoré. Okay. Ouais, j'ai kiffé aussi. Ouais, Scorn, c'est très lourd. Ouais, parce que c'est vrai que nous, on fait des jeux solo souvent, en fait, sur nos chaînes. Donc. Ouais. Mais ouais, Scorn, adoré, malgré les critiques. Ouais, mais c'est des gens qui, je pense, étaient déçus par le marketing du jeu, pas vraiment. Ouais, aussi. Ouais, c'est comme le jeu avec le chat, hein. Stray, ça a déçu beaucoup de gens juste parce qu'ils s'attendaient à un truc incroyable. Bah ouais, alors qu'ils savaient pas du tout que c'était un jeu indépendant, en plus franquet. Moi, je trouve que ça sentait quand même. Oula, ça arrive là. Moi, je pense que ça sentait que ça allait être un truc plus contemplatif. Ouais, clairement. Moi, le contrat était rempli en tout cas, j'ai bien kiffé. Et alors, votre avis? Callisto Protocol là qui arrive. Incroyable. Non, ça va être incroyable. J'ai regardé tous les reportages, tous les documentaires, les trucs hyper obscurs sur YouTube, ça va être incroyable. Ok. Parce que moi j'étais mitigé à la dernière annonce avec les animations qu'on avait avec la glissade là. Ouais, le toboggan là. Et en fait, depuis je me suis re-hype et j'ai re-envie. non, ça va être. Vraiment, mais... je te rassure, j'ai maté peut-être 3h, 4h de documentaire parce qu'il y a une chaîne qui s'appelle Ars Technica, je sais pas si vous connaissez, sur YouTube. C'est que des documentaires sur le jeu vidéo et des créateurs de. Des créatifs, si tu veux. Et du coup, le créateur de Dead Space qui taffe sur Callisto, donc Glenn Schofield. Il a été suivi pendant 4 mois avant la sortie de Callisto, là. Ça sera la semaine prochaine, du coup. Et tu vois comment il travaille. C'est parfait, ça va être incroyable. Ok. Alors moi, j'ai joué 4 heures. Ah, t'as fait la preview? Putain, je voulais y aller, c'était sur Paris, ouais. Et en vrai, je peux te dire que gros, ça pue la merde. Non. Oh, ferme ta gueule. Ah, je rigole, non, j'ai pas joué. Ah putain, d'accord. Ah, parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai eu un essai sur Paris, donc. Pas de faire foutre, putain. Comment te. Ah, j'ai fait dans les couches. Ah, l'enculé. Putain, non, mais en plus, je t'ai cru, hein, parce qu'il y a eu le truc, la preview à Paris, je me suis dit, oh putain, ça y est.
On peut pas aimer Death Stranding et tester Callisto, c'est pas possible. Non. Tu sais que moi, les trucs comme ça, les previews, en fait, je remercie toujours les éditeurs, développeurs, mais je refuse systématiquement. Alors, ça dépend des jeux, tu vois, le jeu que j'attends et tout, j'y vais pas parce que je veux pas me spoil, tu vois. Et donc, je leur dis franchement, genre, je suis pas youtubeur, je vais pas faire des previews, vidéo preview ou quoi. J'ai ça, tu sais, à Julien Chiez et les autres là. Mais en vrai, moi, c'est plus. Bonjour, genre, j'ai quelque chose à vous dire sur Callisto. Bonjour. Ouais, c'est ça. Genre, faut qu'on en parle, tu vois. Il faut qu'on parle. Mais moi, c'est voilà, moi je veux faire la découverte en live et tout. Et je suis d'accord. Ouais. Je refuse tout le temps en fait. Je suis d'accord, ouais. Garder la découverte pour le stream, c'est bien. Mais ouais, comme tu dis, c'est bien pour les journalistes d'aller faire une preview ou un truc. Mais sinon... Bien sûr, bah c'est important. C'est important. Moi, il y avait un truc qui m'avait grave frustré, c'est que j'avais été appelé pour la preview du remake de Dead Space. Ah oui. Oui, à Londres. Je suis archi fan, ouais, à Londres. Ouais, j'ai toujours refusé aussi. Bah, j'ai refusé parce qu'en fait, juste. Je peux pas faire le Z... Pardon. Ah pardon. Le Z Event. Et après prendre juste un avion pour tester un jeu et repartir, tu vois. C'est pas ok. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'ils comprennent aussi qu'il faut qu'ils arrêtent de nous envoyer sur des événements à l'autre bout de je sais pas quoi. Mais ce que je ne comprends pas. Rester 2 heures sur place, tu vois. Et ça rejoint ce que tu dis, du coup, c'est que. C'est pas payé. Ouais, c'est pas payé, oui, c'est ça, ouais. Avant, t'as oublié de dire ça, Non, c'est pas payé, hein. Non, parce que. Ah, ok, pardon. Tu sais que le pire, c'est que non, parce que je fais partie des gens qui ont refusé des OP juste justement parce que je vais prendre l'avion. En plus, ok. C'est le pire. Genre, dès que je devais rester sur place 2 heures pour prendre l'avion, je refusais parce que. Alors qu'il y a des gens pour aller à la TwitchCon en avion, ça y va, hein, ça y va, on rentre dans l'avion directement. Ouais. Ah, mais ce que final, je voulais dire. Ça leur a rien servi parce qu'ils ont attendu pendant genre 5 heures dans l'aéroport. Ils ont attendu 6 heures à l'aéroport donc. Ah ouais. Oui, c'était le bordel. C'était la grève. Du coup, on est allé plus vite en train que eux. En plus, putain. C'est quoi 5-6 heures en train, non? Bah long, hein. Du coup c'est 4h ou 5h, 4h30 je crois, de Paris. Ça va. Ah oui, de Paris. Nous on est de Bordeaux. Et oui, c'est vrai. Et c'était les grèves en France à ce moment-là, donc nous ça a été l'enfer, on a mis 2 jours. Ah ouais, putain, c'est l'épopée. Ah bah oui, mais tu m'avais raconté en plus ton aventure sur Instagram. C'était horrible, ils nous ont foutu à Disney dans un hôtel qui sentait l'EHPAD. Ah mais oui. Et c'est le truc de western, non, c'est ça? Oui. Ah, quelle horreur. Elle est bien sympa, putain, Mickey, mais bon, ces hôtels, c'est pas du boulot. Hein. Non, mais surtout que, mec, horrible, moi je vais à TwitchCon parce qu'en plus, il y a le Twitch Rivals et c'est payé, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah, let's go, dans tous les cas, Twitch Rivals, c'est trop bien, on fait une compétition. Déjà, je me tape 2 jours pour arriver à TwitchCon, il y a trop de trucs qui merdent, et vas-y, le seul PC qui marche pas à Twitch Rivals. Ah oui, c'est c'était quoi, toi. C'était pour ta gueule. Oh putain, j'ai pas pu faire le concours, j'avais envie de crever. Mais au moins, t'as empoché l'argent. Mais j'ai réussi à finir 10ème, voilà. Alors qu'il y a 2 jeux que j'ai pas fait. Bah, en plus, hein. Bah, ça va alors en vrai. C'était un week-end poisson. Mais t'imagines si j'avais pu faire les 4, j'aurais pu gagner plus. Ah ouais, t'es même pas là aujourd'hui, t'es même pas en train de nous parler en vrai. Bah, tu sais que franchement, ils ont gagné masse de thunes avec le Twitch Rivals. Hein. C'est un truc de ouf, comment c'était bien payé. Hein. Ils étaient géniaux. Ouais. Bah, ils veulent les faire venir les streamers parce que sinon, il y a aucune personne qui vient. Donc. Bah, en vrai, si on est un petit peu honnête, 2 secondes, c'est pour. En tout cas, pour les gens qui sont en France ou quoi. Ça vaut pas le coup. Oui, pour les gens qui étaient sur Amsterdam et tout, c'est trop bien, mais pour ceux qui devaient venir de France, il y avait pas assez de trucs. Franchement, il y avait pas assez de meetings avec des streamers ou des trucs. C'était vraiment des salles de goodies et. Ouais, c'était franchement des salles de goodies. C'est une sous Paris Games Week affiliée Twitch, quoi. Ouais, avec moins de tests de jeux vidéo, quoi. Et déjà, à Paris Games Week, il y a moins de trucs, il y a de moins en moins de trucs aussi. Donc bon. Pardon, tu as volé un truc ? Surtout moi, ce que je trouve hallucinant en vrai dans leur TwitchCon, bah après, chacun voit midi sa porte. C'est clairement mais, pas mon truc. Mais, hein, mais moi, alors déjà, moi je kiffe pas de par le fait en fait de devoir acheter, tu vois, sa place. Ouais, je trouve ça débile, tu sais. Mec, t'es partenaire. C'est abusé par contre. Hein. Mais ouais, mec, t'es partenaire. Ah, mais oui, c'est vrai que quand partenaire, tu dois payer. Putain, j'avais zappé ça. Mais bien sûr, mais j'ai trouvé ça. Mais tu sais que moi, j'y vais jamais juste par rapport à ça en fait, tu vois. Genre, je n'ai rien à foutre, tu vois. Genre, je rien à péter de devoir payer pour aller prendre à la TwitchCon. J'en ai rien à foutre, ouais, clairement. Même à Paris, je crois que je vais même pas y aller en vrai. Hein. Bah, le truc, c'est que, en fait, il y a plusieurs trucs qui me dérangent là-dessus sur la politique de Twitch. C'est que, déjà, premièrement, il y a vraiment une grande dissociation entre les gens qui aident et ceux qui aident pas. Donc, moi, par exemple, j'ai appris que nous, on a dû payer nos billets, machin, etc. Mmh. Mais ceux qui faisaient Twitch Rival d'autres, ils étaient tout frais payés, ouais, certains. C'est défrayé, ouais. Ils étaient en mode, c'est quoi qui change? C'est le nombre de followers sûr que c'est ça. Ah, oui. On part tous, tu vois. Donc, ça, déjà, j'ai pas trouvé ça ouf. Et surtout, le truc qui m'a mis un peu mal à l'aise à la TwitchCon, c'est que ça faisait très. Réseautage pour petits streamers, moyens streamers, pour approcher les gros sur la soirée TwitchCon, tu vois. Ah, le suçage.
Bah, en fait, ouais, ça, sans, ça me dérange, Snaku, tu vois, tu le sais très bien, mais bon. Je sais, enfin, je sais. Il n'y a ouais, pas beaucoup de mille femmes, malheureusement, à cet événement, donc dommage pour toi. Ouais, mais... non, Il y a plutôt des très jeunes femmes, mais apparemment, certains streamers, ça les dérange pas. Si mais il y en a beaucoup qui y vont, hein, ça plonge, hein. Non, mais ouais. T'as quel âge ? Ne me réponds pas, ne me réponds pas, garde ça pour toi, ce sera ton secret. Je veux pas savoir. Combien de followers, ça m'intéresse ? Allez, hop. Moi, tu me parles pas d'âge. Non. Eh, c'est bon, on est entre nous, non ? C'est ok, ça va. C'est ok, ça va. Non mais en vrai, ce qui est chaud, c'est pas la faute des petits streamers ou des moyens streamers, vraiment pas. C'est juste, ils ont fait en sorte que ça soit très soirée pour faire du business quoi, un peu. Et ça, ils sont cachés. De toute façon, c'est comme. Ah mais y a un boss. J'ai plus de munitions, les gars. Si vous avez un truc pour moi, je veux bien croquer hein, parce que. Je vais utiliser mon. Mais c'est contre qui que je suis. Ah putain, ouais, enfin, t'as raison, j'avais oublié que j'avais... Bien joué, je t'ai capé des trucs, mais GG. Oui, je vais péter ça. Et il prend grave cher avec notre truc, hein. Bah, il ouais, en plus encore, à... donc... 56%. Ah, le jump, ça marche, j'ai voulu. Ouais, mais il est laid. Aïe. Ah, il est pas content, Balou. Hein. Ah, il me poursuit. Attends, je prends l'aggro, je prends l'aggro. C'est bon, vas-y, vas-y. Vas-y, mort. Allez, tu dégages. C'est bon, ça mange. C'est un boss, ça? Un mid-boss. J'avoue que c'était ça. Mais attendez, on est encore en difficulté 1, je crois. Non, on est en vétéran, je crois, Hugo, ta gueule. Allez, on va dire ça. Mettez-le dans le titre, les modos, s'il vous plaît, hein, pour ceux qui arrivent. On est en vétéran, ta gueule. Ah, munition. Laissez ça. C'est pour moi, ça. Vas-y. Allez, hop. Il souffle, lui. Oh, il a soulevé notre pote, là. En même temps, il vraiment au chargeur. Tout à l'heure, il est en... On chie, eux, il y a pas de vocal dans le jeu. Si, je crois. Avec quoi? Mais j'ai désactivé moi au cas où. Ouais, mais il a pas de micro, je crois. Ah, ok. Kim. Ouais, c'est pas possible, il sort d'où lui? Ok, vous voulez un petit coup de soin? C'est moi qui offre. Ouais, je dirais pas non en vrai. Attends, je me fais attaquer en même temps là. On est dans le truc là. Ah oui. Voilà. C'est toi qui as fait ça? Ouais, j'ai ramassé un petit truc au sol. Ah. Allez, munitions. Ah putain, elle a un accent français en fait, ton perso. Ouais. C'est compliqué. C'est toi qui as choisi. En fait, j'ai dit, elle est insupportable sa voix. Et ils m'ont dit, t'inquiète, on l'entend pas trop dans le jeu. Ah d'accord, ok. Moi, je pensais que c'était dans ta dynamique RP de Véronique. Non, mais ça marche bien. Elle a une voix insupportable, donc. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh. Ah non, il y a le lance-flamme. Je le calme. Arrête tes conneries. Ah mais c'est trop puissant ton truc là. Wow, mec, le dash il est trop vénère. Ouais. Allez hop, ça dégage. Et hop, dans son dos ça le gratte, il en a rien à foutre. Donc ouais, pour revenir à la TwitchCon, en vrai ouais, je sais pas. C'est un peu bof. C'est pour ça que moi quand on me dit que j'y vais, en fait je refuse systématiquement. Je dis non, ça m'intéresse pas. C'est plus pour avoir un badge de mon pseudo. En mode j'ai acheté un billet pour la TwitchCon, ouais, voilà. Yes, trop bien. Tu vois, j'ai la gourde Twitch, et oh. Ouais, double. Même pas, j'ai dû l'acheter. Non, je troll. Oh les pinces. Non mais attends, c'est quand même quelque chose là. Mais attends, non, mais t'as pas un sac de goodies quand t'arrives et tout? Et heureusement que tu faisais Twitch Rivals hein. Non, on avait le même sac de goodies que tout le monde, c'est-à-dire genre un espèce de truc, on aurait dit, vous savez, les sacs de dealer là, les petits sacoches là. Les tote bags là. Oui, je vois. Ouais, voilà, il y avait juste ça et ah non, voilà. Truc après, que tu me tournes du coup genre. OK, je vois. Ouais, tu sais les mini trucs sur le côté où tu peux mettre juste ton téléphone et ton shit quoi. C'est vraiment ça. À Amsterdam, non, en vrai. Non, mais en vrai, c'est pas grave. En vrai, je m'en fichais un peu de ça, tu vois. Parce qu'en plus, on était payés. En fait, même si tu gagnais pas la TwitchCon, on était payés 1 500 € chacun. Donc, pour aller à Amsterdam. Ah ouais, ça va, ok. Pour le déplacement. Le seul truc, c'est que j'ai payé okay, mon billet de train. Donc, ça rembourse un peu mon. C'est quoi cette musique là? Alors, je crois que c'est détruire les fistules. Ici, là. Les fistules. Bah, c'est ça, je crois, hein, tu vas voir. Hein. C'est des gros boutons au cul là. Attends, c'est où? Ouais, voilà, parce que pour moi, c'est ça, c'est vraiment. Bah, attends, d'hémorroïdes quoi. Tiens, bah alors, envoie une de fistules, non? C'est pas ça? Oh là! Oh, Yamé! What? C'est quoi ça? Yamé, t'écoutes ça? Attends, vous êtes où là? Oh, tu le fais trop bien! Ah oui. Ça, c'est l'expérience, ça. Ça y est. Tous les bouffeurs de hentai dans le chat là. Y'a tout qui pète là. Ah, c'est le petit truc jaune là qui peut péter. Ouais, ah, je suis tout seul là. Faut que je vous rejoigne là, je suis dans la merde. Ok, c'est bon. Ah, y'a un chien! Le chien m'a sauté dessus! Ah, je suis loin en plus. Ah non, c'est bon. Ok. We need these ammunitions. C'est quoi cette voix? Ah, je vais canner.
Bon, oh bon, oui, bah oui, Hugo, tout j'arrive, Hugo, j'arrive. Hugo, le chien. Oh, merci. Prends ta mère. Ah, ça me gueule dans les oreilles, là. Ça, ça dégage. Moi, du coup, c'est pour ça que moi, je suis allé. Quand il y a eu Twitch Revel, ils m'ont dit que j'allais être payé. Qu'en plus, ils nous prenaient l'hôtel et que j'étais à Amsterdam. Et j'adore Amsterdam, pour le coup, j'adore cette ville. Allé, je me suis dit, coup, en vrai. Ouais, pour les putes et tout. Trop bien. Genre vraiment, moi j'y suis pas allé pendant très longtemps parce que je pensais que c'était juste un endroit pour aller fumer de la weed parce que mes potes allaient là-bas juste pour ça. Ouais, bah ouais. Et donc j'étais en mode bah aucun intérêt vu que je fume pas. Et en fait, grossière erreur, c'est trop bien. Y'a v'là le monde derrière, au secours. Allez, ah merde. Ouais. J'étais en train de détruire le kyst. J'arrive. Oh non, putain, il m'a soulevé. Non. Ah, c'est bon. La dernière fistule anale et on est bon. Non, mais le gros, mais ouais, là. Si t'as l'occasion un jour d'y aller, franchement, Amsterdam, Hugo, je conseille de ouf, c'est vraiment ouais, très cool. Ouais, je pense que ça nous plairait avec ma C'est une ville trop trop bien. Ouais, elle adorait, c'est sûr. Ah, je suis en train de me faire. Ah, non, c'est bon. C'est bon. Ne finis pas la phrase, hein. Allez, hop. Oh non, le sampling qui va partir. j'ai pas été assez au taquet, mais ça aurait pu. Hein. Allez, non, dernière fistule, on est bon, je crois. La dernière fois que je suis parti à Amsterdam, il y avait un mec qui avait armé de la coke, c'était incroyable. Ah. Yes. Twitch, il rigole hein. Il rigole Twitch. Non, mais t'es où? Oh putain, il a glissé en plus. Oh non, écoute, ils arrivent, il y a des monstres qui arrivent. Vas-y, je te protège à distance. Non, mais t'es où? En fait, ça me fait parce que en vrai, j'en ai pas mon écran et j'en ai juste cité des buts pour dire ma connerie, tu vois. Vas-y, relève-le, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, voilà. Merci beaucoup avec tes petits bras, tu m'as soulevé, merci. Ouais, je t'ai soulevé. Attends, mais c'est le bordel hein. Je me suis fait cramer le cul pour le sauver. J'ai plus de vie. Ah, ça dégage. Allez, fistule. T'inquiète, ok. Je gère. Oh, ça me merde. Oh, c'est chaud. Ah, mais je préférais l'autre arme en fait. Ça dégage. J'ai pas l'impression que c'est beaucoup plus efficace au final. Hein. Ah, il attaque pas en horizontal donc ça me fait chier. L'esprit de la machine. Ok. Ah, faut activer ça là. Au milieu, ouais. Vas-y, Zongo. J'ai activé la fonderie. Ok. Oh. Oh. Ah, la map elle est jolie quand même. C'est technique hein. Ah, c'est beau hein. Alors ça rappelle quand je mange mexicain. Ouais. Ah. Bah moi c'est ce qui. Est-ce que vous avez vraiment envie d'entendre ça? Mais bon. Vas-y. Si vous voulez, je suis abonné à HelloFresh, hein. Bon, c'est pas une op, hein. Je suis abonné à HelloFresh et j'ai pris pas mal de petits trucs épicés cette semaine et comment vous dire que bon, les moments que je passe en solitaire là, je rentre dans le bureau 10 minutes après, c'est technique hein. Obligé de sortir le masque. Hein. Et il y a une odeur qui s'émane de ma personne, c'est très désagréable. Hein. Derrière peut-être moi, que je change un petit peu l'alimentation. Hein. Bah attends, mais pourtant HelloFresh c'est plutôt. Ah, c'est censé être fraîche, mais bon là je te cache pas que. Il y a beaucoup de légumineux actuellement. C'est très fibré comme très fibreux comme alimentation. Bon, c'est ça une horde là. Les amis. Oui. J'ai beau être Zongo, alright. Ah bah oui, non, on est. T'es où? Je t'ai pas vu. Ah, c'est bon, Fida. C'est bon? Ouais, t'inquiète. Allez hop. Wow, attends. C'est vrai, est-ce qu'on peut pousser à travers ou pas? Attends. Ah, mais on peut! Il y a du monde! On pousse à travers? Wow. Quoi? Le truc qui coule, arrête, c'est moi au milieu. Ah, je peux les pousser? T'es mort. Ah! Ah putain, ouais! Ils tombent les cons. Vas-y. Ah, mais c'est trop bien! Bien sûr! Putain, j'ai vraiment l'impression d'être au kebab. Ouais, vas-y, découpe-moi cette broche là. Non, voilà, vraiment! Ah, les mecs avec l'armure là qui t'attaquent avec la hache, voilà, il se passe stylés. Quoi notre ami est en train de mourir actuellement. Ouais. Attends, je m'occupe, je suis sur le projet de. Vas-y, je le relève. Vas-y. Je crois qu'on est bon. Ouais. GG's, man! Bien joué! Sur quoi là? En fait, vous attendez en vrai? Dégagez la zone. Je crois que, ouais, faut juste tuer. Ouais, il doit y avoir un. Ça fait rien, t'es mort. Il doit y avoir un queumé qui reste et qui est paumé. Ah ouais. Oh! Bah, au je vous ai vu sauter, qu'est-ce que vous branlez? Allez hop! Ah merde, j'ai envie, hein! Glissé, chef! Bah ah bah oui, c'est mais bon, chef. C'est mes nouvelles crocs là! Ah bah dépêche-toi parce que. Bah oui, mais il faut me sauver là! Il me tape derrière avant! Bah y'a personne qui te monte! Arrêtez! Oh mais putain de merde! Quelqu'un peut nous aider? Ouais, bah attends, deux secondes! Je dératise le boudin et puis j'arrive! Ah, je vais canner! On est côte à côte. Putain, je vais canner. Oh non. Les amis, est-ce qu'on peut bien s'il vous plaît? Ils peuvent pas, il y a trop de monde, mec. On est en train de. Tiens. Oh non, pas Théo. Et je crois que c'est bon.
Y'a l'autre qui vous sauve ou pas là? Ah non, on est mort. Non, non, mais revenez, mais vous êtes où? On est juste à côté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un milliard de mecs qui me foncent dessus. Attends deux minutes. Non, on est mort. Ah non, vous êtes pas mort. Ouais, ça va être compliqué là d'aller à la fin. Hugo, Hugo, c'est un délire, gros, t'arrives pas à tuer tout le monde. J'ai compris la blague, putain. Ok, merci Hugo, abonne-toi. Ah, putain de merde. Je voulais pas jouer avec ce mec. Attendez, mais Véronique, elle est en train d'être en mode. Elle est attachée dans une cave. Attends, mais je suis où moi? Bah attends, mais. Ah, mais toi aussi, surtout qu'elle va être avec Zongo, hein. Elle va être avec Zongo là, hein. Donc. Ah bah oui, on est attaché dans une cave. Sacrée soirée, hein. Bon, attends, je vous rejoins, hein. J'arrive là. Mais attends, mais j'ai pas de chaîne derrière, c'est du mytho. Y'a des chaînes toi derrière? Non, mais. Ah, mais il est tout seul là. Attend, on attend comme deux gros soumis. Ah ouais, de fou. Maître, oui, fistez-moi. Attends, mais je suis avec vous là, non? Non. Ah non, pas encore. Mais il est loin, non? Ah oui, il est vachement loin de vous, hein. T'es morte aussi, Hugo? Eh ouais, tout à fait, hein. Ah, c'est bon, je suis là. Je suis avec vous là. Oh, t'es avec nous, let's go. Oh, ouais. Mais attends, mais. Je rejoins la res. Ah, mais vous êtes à genoux, vous. Oh, les bouffons. Mais comment ça? Ah oui, toi. Moi, j'ai un genou par terre, pas les deux. Oh là là. Le genou en question. Hein. Non, mais là, si on attend Shinida, on est mort, hein. Attends, attends, moi je pense qu'il peut. Hein. Il a l'air de gérer un peu. Hein. Je suis en train de le regarder là, c'est compliqué quand même. Il est en mode. On va pas le juger, on va attendre. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pas sa vie donc. Bah. Là, Là, il est en mode au secours quand même. Oh, y a... Ah ouais, ouais, non, ouais. Ça pue, chaud. Ça pue. Alerte crotte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Faut courir maintenant. Bah, viens nous sauver s'il te plaît. Il utilise pas son super en plus là. Mais pourquoi il est les spout là? Pourquoi il est les spout là? Mais barre-toi d'ici, du con! Oh putain, la honte! Oh la vache! Et... Oh là là! Putain. Oh non, Shinida! Bon après, les gars! On dit ça, mais nous on a juste sauté comme des merdes pour la. Attends, on est en vétéran, hein. On est en vétéran, je vous rappelle. Hein. Oui, c'est vrai. Oh non! Ah, peut pas parler dans le jeu, putain, j'allais écrire dans le jeu. J'allais écrire You are nul! Ah, je crois que tu peux pas écrire. Oh, fais chier. Attends, mais ça veut dire que là on recommence depuis le début? Mais c'est ça qui est chiant. On a quand même des récompenses. Ouais, allez. Ouais, vas-y, après, on peut en prendre une autre de mission. Au pire, ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est vrai, quand je vous ai rejoint, mais attention, hein. À 18h, je suis de corvée pour monter le sapin. Donc, il faut qu'on réussisse cette mission, ce sera l'ultime mission. Hein. Déjà le sapin? Ah bah, le week-end avant Noël quand même, enfin avant le début du mois de décembre. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Mais c'est ça d'être en couple, Snaku. Ouais, ouais, on a des petites activités. Alors, qui dit que je suis pas en couple? Bah, tu fais pas de sapin, déjà. Zongo le puceau. Alors si, je fais un sapin, mais moi je le monte la veille de Noël et je le démonte le lendemain de Noël. Ah ouais, non, comme mais... ça, il s'abîme pas. Et comme ça, en fait, surtout... Non, surtout, en fait, je peux le rendre en magasin. Parce qu'en fait, j'achète la veille en magasin. Ah, mais toi, tu prends un vrai sapin? Je le rends le lendemain. Hein? Tu prends un vrai sapin? Ouais, un vrai sapin. D'accord. Mais tu peux pas le ramener au magasin? Si, bah, si pour l'écologie. Bah, si. Si, pour le recyclage, machin. Je le ramène le lendemain. Bah, bien sûr. Mais pourquoi tu prends pas juste? Je crois qu'en plus, c'est pas une connerie ce qu'il dit. Hein. Parce que c'est du plastique et je suis pour le développement durable là-bas. Je suis pas un chien, moi. Alors, ouf, ouf. Dis les termes, dis les termes. Couper des forêts entières, c'est pas hyper écologique non plus, je suis pas de force. Oui, mais comme je le rends, il le replante. Ah. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça que j'avais passé l'info. La boucle est bouclée. Bah voilà, ça va. Et après, si j'ai vraiment envie et tout, je vais au Bois de Boulogne et je le replante. Et pourquoi là-bas? Wow, j'ai eu très peur de cette phrase. Si j'ai vraiment envie, je vais au Bois de Boulogne. Il fait pas que de planter des arbres là-bas. Hein. C'est une pierre de coup là-bas. Hein. Allez, il sort l'arrosoir. En fait, il a dit une dinguerie, mais je dis non, il est pas encore minuit, les gars. On peut pas le sortir, on peut pas le dire ça maintenant. Tu sais, moi je suis en plus 18 sur ma chaîne. Hein, et puis Hugo, on en parle même pas, donc t'inquiète. Moi je suis pas en plus 18, tout le monde vient, mais par contre, tout le monde prend son grade. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Attends, t'as pas plus 18 sur ta chaîne avec toutes les dingueries que tu fais? Les dingueries en question. Qu'est-ce que je dis? Vas-y, si, tu une dinguerie. Moi, je sais pas, il paraît que tu fais partie d'un groupement qui s'appelle la Cacabox, vous êtes pas connu pour la finesse quand même. Ah ouais, bon bah, on est les petits, on est les méchants canards, qu'est-ce que tu veux. Mais non, regarde. Mais non, je suis quand même très très gentil. Hein. Non, non, mais je dis ça, mais parce que moi je l'ai mis en plus 18 juste par rapport au, tu sais, au sujet que j'aborde et tous les trucs, tu vois. J'ai une question. J'ai rien dit, j'ai juste dit que vous êtes pas connu pour la finesse. C'est bien vrai, ça je te l'accorde. Bah voilà. Ça, je te l'accorde. Oui, dis-moi, Snakepoo. Est-ce qu'on peut se passer de l'argent dans le jeu?
Pourquoi tu veux, si tu veux, si t'en as trop, hésite pas, parce que moi j'aimerais bien me choper mon nouveau fusil d'assaut là. Alors, je voulais vous sucer votre argent en vrai, mais ok, ça marche, ça va aussi gagner. En fait, le truc c'est qu'on est grave pauvre parce qu'on a perdu la mission. Eh oui. On n'a pas perdu. Si, si, on a perdu. Ah, si, si, on est dead. Ah, si, c'est terminé là. Ah, c'est ça, de perdre en fait dans un jeu vidéo. Voilà, en même temps, en vétéran, en gros. Hein, donc... Ah ouais, mais, c'est vrai. Mais moi j'ai gagné parce que je jouais avec vous et que cet après-midi elle était trop cool. Oh. Ça c'est super sympa. Et tu sais quoi, je vais jouer à ton jeu que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Ça c'est tellement merci, gentil que ça m'a touché. Ouais, raconte pas ta vie. T'as pas un peu d'argent en gros s'il te plaît. Mais je crois que je peux même pas te donner d'argent du con. Ah, on peut pas, merde. Attends, je regarde. Couilles, non, on peut pas. Je suis pour rien en vrai. Social, on peut pas signer de l'argent. Pénitence. Bah non, je crois pas. Hein. Mmh. On peut pas se give, ouais. Putain, c'est nul ça. C'est vraiment un jeu de merde. Pas... Mais attends, il y a des comment ça s'appelle? Des portraits. Capacités. Ah, j'ai mes portraits. Vous récupérez 5% de robustesse. Ah, stylé. Et quand vous faites I et que vous allez dans cosmétique, vous pouvez équiper un petit portrait à droite et un insigne aussi. Ouais. Où ça? On peut avoir un couvre-chef aussi. Mais ah on oui, j'ai jamais ça. Hey, Snaku, fais Alt F4 oui. Pour voir. Je suis mort de rire. Ah, sérieux? Je suis mort de rire, le raccourci de fou. Arrête, ça marche vraiment dans le jeu? Ouais, ouais, allez. Fais pas le genre, ça va pas changer. Non, mais je l'ai pas fait. Ah, la blague de fou. Baiser. Ouais, ouais, de fou, j'adore, je kiffe. énorme. Ah, vous voulez quoi, qu'on fasse... C'est pour ça que je m'abonne à ta chaîne. Ah bah vas-y, pour ça, mec. Avec plaisir. Vas-y, claque ton sub, hein. On est bientôt à 3000. Je le ferai après live. Ça marche. Tu m'enverras la preuve, hein, preuve fiscale. Pas de soucis. Mec, j'ai une question. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu sniffes, mec? Ah bon, allez, c'est reparti. Non mais j'ai l'impression que c'est un tampon, c'est le tampon de ta copine? Non, alors ça pourrait, ce qu'il y a c'est que si ça sentait aussi bon, il serait sur mon nez depuis bien plus longtemps, mais en gros c'est un inhaler, okay. C'est un truc Vicks, tu sais le truc que tu te mets sur la... Ah, pour déboucher les voies. Voilà c'est ça, sauf que selon la posologie du truc, j'ai regardé la notice tout à l'heure avec justement mon chat, c'est 3 fois max par jour et moi je le sniffe mais genre toutes les 5 minutes, donc c'est pas bon mais... Ah l'addiction est terrible. Ouais, ouais c'est un camé en fait. Ça sent tellement bon, bah ouais. Et vous voulez qu'on fasse ça, une autre map en fait? Parce que je sais pas laquelle prendre. Voilà. Alors ça, juste. Tant que c'est en vétéran, ça va. Oh ça vient de chez moi. Ça vient de chez moi. C'est juste qui Adrien là en fait. C'est le. Alors Adrien chez moi, c'est le. Comment dire? L'actionnaire numéro 1 de la chaîne. Il détient plus de 99% des parts. C'est bon ou pas? Ah il a des parts. Bah là il vient de prendre 5% des parts de mon entreprise, hein, Adrien. Ah bah chez moi il a 1000 subs par semaine. Vache. Juste. 1000 subs par semaine. Ouais. Le Qatari. Un baiser. Et il y en a un autre là, frère. Il y en a un autre là, c'est quoi ça? Artcoin, ça vient aussi chez moi, c'est pareil, c'est le deuxième. Attends, il y a toute la famille qui se ramène. Eh ben merci en fait, les gars. Il paye pour toi, quel escroquerie. Ouais. Bah, voilà. Passez Chava aussi les gars, s'il vous plaît, passez Chava. Ouais, pas c'est chacun son tour, hein, et on continue ouais, à tourner ouais, les gars, mecs. Faites pas de la merde, s'il vous plaît. Allez, mais non, mais non. Chez moi, plus Chava. Merci beaucoup Adrien, merci Artcoin. Merci pour les 100 subs, les 50 respectifs. Merci Kisun aussi pour ton prime, merci. Oh mais ça va pas bien. Ces mecs-là qui blanchissent leur argent sur notre chat. Franchement, ça me fait chier, hein, ça me fait chier. Merci, hein. Merci Arcantin pour le sub-tier 1. Non, merci hey, Adrien, hey, bah hey, continue, hey, vas-y hey, Adrien. Attends. Il faut que je leur parle là. Eh hey, bande de chiens, je veux pas être jaloux, hein, les gars. Non, là, vous donnez notre aussi, bande de retard. Adrien, merci. Hey. Truc horrible, sinon vous êtes misogyne. Ouais, c'est ça, ça c'est signe de misogynie, Adrien. Arrête, retire les 100 subs là. Merci beaucoup, hein, mec, hein. C'est super généreux. Ah, il a lâché 100. Merci. Non mais 100, mec, je te dis Adrien, c'est. Pff, c'est, bon, c'est une petite voilà. Journée, c'est une petite journée de travail. Oh, non mais en vrai, s'il lâche pas 100, c'est un con, hein, vraiment. Non mais quoi? Mais c'est quoi? Beaucoup, c'est des crypto bros ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non mais, Ava, je te jure. Tu sais ou pas en vrai d'où ça vient? Oui. Non mais en vrai, t'inquiète, Artcoin, t'es Adrien. Alors Adrien, il est multimillionnaire. D'accord. Et Artcoin, je crois qu'en fait, il détient un truc de pétrole ou quoi, donc t'inquiète. Ah oh oui, bon ça va. Bon bah n'hésitez pas à revenir les mecs, hein. Vous êtes ici chez vous. Parce qu'on a pas fait le Zébeut, allez-y. Hein. Merci Logan, hein, aussi pour ton sub. Un peu de la merde si je puis me permettre à côté des 100 subs, mais bon, ça fait plaisir quand même. Hein. Oh le bâtard, il dénigre de ouf. Ah bah non mais c'est sympa, merci beaucoup. Hein. Bon allez, vas-y, lance la mission. Vous voulez un truc plus en extérieur parce qu'on est enfermé depuis tout à l'heure. Allez, là. Ouais. Allez, hop. Et par c'est contre, vrai, c'est vrai. Ah, c'est niveau 1, c'est de la merde. J'aimerais bien un truc un peu plus chaud. Non? Bon. Ah, celle-là, elle a l'air jolie. Allez, hop, on prend. Allez. Mais vous voulez pas qu'on fasse des missions genre vétéran? Mais tu c'est veux vétéran. Non, là, c'est easy. Tu veux qu'on mette. Mais non, mais chut.
Bah, en fait, je veux voir la différence. Est-ce qu'on va vas-y. Ou pas? Bah, en fait, oui, je pense. Hein. Je vais vite faire le sapin, je pense. Hein, si tu veux qu'on fasse des terrains, hein. Tu vas voir. Hein. Vas-y. Ah ouais. Pour de vrai. Vas-y, on teste. J'en ai mis une en niveau 3. Je pense que c'est coton. Hein. Vas-y. Mets-la. C'est mis. Ah, t'as refusé carrément. Bah non, parce que moi, ça m'a dit niveau 1. On va dire envoie. Envoie. Attends, je refais. Niveau 3. Oh, putain, attends, ah non. Merci mais... Adrien. C'est bon. Ah, il est passé, ah, ça y est. Il est passé chez toi. Il est passé. Ok. Chacun voilà, son ça. Tour. Merci Adrien de passer partout. Chacun son tour, la merde. Merci beaucoup. C'est beau. Et voilà, il y a Hardquest qui passe aussi. Ah bah c'est chacun son tour, mais c'est normal. Comment ça écoute. Comment ça écoute beaucoup trop fort les gens. Merci beaucoup. Merci les gars. Mais vous êtes fait avoir quand même, je sais pas. N'arrêtez jamais le pétrole. Continuez. Merci Beta aussi. Allez hop. Oh merde, merci beaucoup. Il est sur un bon filon. On vient hein. de repasser les 2000 subs, du coup, merci grâce à vous. GG. On vient de passer 3000, ouais. Mon objectif. Eh bah voilà. Oh bravo. Ah bah, bravo GG. Eh bah 1000 subs d'offert. Merci hein, les gars. Merci beaucoup. Allez, ah putain, lui il a dépensé 20 000 boulas dans le froc. Non, bah, c'est quand lui, même plus non mais lui c'est un pigeon, putain, mais tout ce qu'il a, putain, comme skin. Ah, mais y'en a un qui mine du pétrole. Je suis un peu deg parce que, tu sais, je voulais faire Outlast Trials et on avait parlé avec Snako aussi. Oui, ouais. Oui. Et... sauf que toi tu m'as dit Hugo qu'apparemment c'était pas dingue. Bah, moi j'ai joué juste 5 minutes, tu vois, mais j'ai regardé des streams et en fait c'est très bizarre, ça fait plus penser à un jeu style. Comment dire, Dead by Daylight. Avec un objectif à faire pour se libérer, qu'un jeu coopératif avec une histoire, un solo coop, tu vois ce que je veux dire. C'est pour que ça avait l'air moins cool. Ok, je vois. Mais je réfléchis en jeu coop d'horreur, là, je crois qu'il y a pas grand-chose. Mais il y aura pas de solo dans Trials ? Non. C'est only que du coop. C'est pour ça que je trouve... Mais ça, c'est le jeu qu'on voulait faire, je t'avais dit, là. Oui, c'est ça, je trouve. C'est bizarre, en plus, elle était marketée comme un... Un peu comme un jeu avec une histoire et tout, et en fait non, ça se retrouve plutôt en truc type Dead by Daylight quoi. Après faut voir, hein. Si ça se trouve quand ça sortira sera mieux. Oh c'était beau. Ah putain, je pensais qu'on était dehors là. Bah regardez en haut, il y a des vaisseaux. Ouais, en haut c'est incroyable en vrai. Hein. Ah ouais, on est dans la ville putain, propre. Non, on est dans Star Citizen mec. Allez, Star Citizen, tu sais que ça fait des mois et des mois que je me dis, bon, peut-être tester. Mais je sais tellement pas par où commencer. T'as jamais testé ? Non, jamais. J'aimerais bien tester, mais j'ai jamais su par où commencer en fait. Bah, pas pour me contacter et pour qu'on joue ensemble et que je te montre mes gros vaisseaux. Bah ouais, mais moi je suis pas du genre à venir vers les gens donc. Ouais, moi non plus, mais n'hésite pas à venir vers moi. Eh bah, en tout cas. J'ai pris une amitié, je vais chialer. Eh bah voilà, Zango qui va passer des soirées. Non, mais en vrai, gros, on s'est déjà capté à Webedia à l'époque et tout, mais c'est juste que tu vois, genre. Je crois que je t'ai déjà vu une fois, ouais. Mais si, on s'est déjà dit bonjour plein de fois à Webedia, genre on s'était croisés, mais c'est juste qu'en vrai on a jamais joué ensemble, tu vois. Non. On a déjà discuté 2-3 fois, je pense. Non, mais je connais des gens de ton entourage, genre Aiki et tout. Moi j'étais dans la Pinga sur l'ancienne, donc. Oui, je sais. Donc on se connaissait, mais de loin, quoi. Mais ouais, Star Citizen, si un jour j'ai vraiment envie, je te contacterai parce que. N'hésite pas, quand tu veux. Ah, bah, il en va de même pour toi, hein. Si jamais un jour tu veux. Mais moi ça me paraissait juste hyper fastidieux, effectivement, quand tu veux. Ah, ouais, clairement. Ça l'est. Mais je pense que quand t'es dedans et que tu connais un petit peu, tu prends quand même beaucoup plus de plaisir. Genre démarrer tout seul de zéro, ça doit être compliqué. Hein. Surtout non, si tu connais quelqu'un qui connaît un peu, je pense que ça change un peu la donne. Clairement. Mais déjà, on testera GTFO avec plaisir. Moi, j'aime trop jouer à ce jeu. C'est juste GTFO, que c'est... je veux trop tester. Tu sues, quoi, vraiment, quand il joue. Mais quand t'as une bonne dynamique, c'est trop... Ouais, c'est comme Payday, en vrai. Payday, j'avais kiffé de ouf aussi pour ça. C'est que c'est ultra tendu tout le temps et... Et là, ça a l'air d'être le même délire, mais vraiment dans une ambiance que je chiffre beaucoup plus. Donc, Ah, l'ambiance, c'est incroyable sur GTFO. Ouais. Vraiment. J'ai rien que le menu, je trouvais ça incroyable en fait. Je me suis dit putain, mais c'est trop stylé. Donc... Ah, tu faisais E sur la porte. Non. Comment ça? Tu faisais E sur la porte. Là. Non, mais avant, tu faisais E sur la porte ou pas? Ouais. Ok, parce que moi aussi, du coup, ça ouvrait, ça fermait. Ah merde, putain. Ils sont cons, hein. Ils sont gentils, mais ils sont cons. Je disais, putain, elle est buggée, cette pente de merde. Moi aussi, en fait, c'était toi, en vrai. Merci, Monkey. Merci beaucoup. Fais gaffe, il pète, là. Alors, là, on est en hard, hein, les mecs, hein. Bellec, hein. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Apparemment, hein. Regardez, il est déjà au sol, lui. Il est mort, hein. Ah merde, du coup, moi, je vais pour le sauver, mais je me prends des... C'est toujours aussi peu pratique pour les munitions. Putain, ça part vite, hein. Je crois que c'est ici qu'il faut aller. Est-ce qu'on peut jouer? C'est quoi ça? Y'a un gros là!
Ok, je vais le... Oh putain. Ok. J'ai le psycho machin là. Moi aussi. Alors. Attends, j'ai un petit coup de R, Ava, oublie pas. Je vais le stun déjà. Hop, voilà. Vas-y, allez-y. Vas-y, continue de l'aggro, c'est parfait là. Vas-y, allez-y, faites-vous plaisir. Ah, je suis emprisonné. Ça y est. Derrière les gars, il y a un mec avec une prison, il va vous choper aussi. Faites gaffe, hein. Il est où? T'es où? Si, le mec qui se barre là de la porte. Ah. Il est parti, On va reprendre l'aggro, Attends. J'arrive. Oula. J'arrive. Cours, bah, cours. Bon, je suis là. Véronique, la chips. Qu'est-ce que c'est? Oh oh. Ah ok, c'est le mec à la prison encore, il casse les couilles à tout le monde. Ça va, Snaku? Ouais, t'inquiète, je suis là. Je vais mourir, mais c'est ok. Oh la vache, il y a un gros qui arrive, les gars, par la porte. On était... Moi par contre, j'ai vraiment plus de vie. Tombez, n'hésitez pas à tomber là. Vous pouvez tomber dans le vide, ça vous met une plateforme différente. Ah ouais, la vache, je le sens là. C'est quoi qui me tire dessus? Oh, sa mère. Ah ouais. Putain, c'est pour le train. C'est vénère, ouais. Ils ont monté le train jusqu'au niveau 9, incroyable. Merci beaucoup. Ben voilà. Je l'ai là-bas. Bravo. Bravo les amis. Merci Adrien, merci. Merci Adrien, merci Arkent. Ouais, Arkent aussi. Les collègues, de travail. Vraiment. Oh, non, mais faut pas que j'avance. Oh, mais en fait, on peut pas utiliser le cac. Putain de toi, Non, mais on peut pas utiliser le cac. C'est le gros sur derrière les... qui fait chier. Mais le problème, c'est que est-ce que du coup on n'est pas un peu sous-équipé en armes à distance avec ce niveau-là? Si, clairement. Parce que là, on peut pas approcher avec le cac. Hein. Genre vraiment, c'est instant. Passe par la droite. On prend à droite, prends large. Okay. Et après, prends par là-bas. Ouais, venez vers moi là. Vous voilà, bien. Passe par là, à gauche, ici, par là. Et en fait, tu passes par derrière et en fait, tu t'es directement au contact. Ok. Ok, le gros est presque mort. Par là, tac, et surprise, bitch! Voilà, bien joué. C'est bon. Parfait. Je pense qu'il y a du heal juste après. C'est quoi le 4 là? Le 4. J'ai un truc avec la touche 4, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas un stack? Un stack de genre de. Non, c'est une tête de mort. Je l'ai aussi, je sais pas ce que c'est. Ouais, il faut 3 coups maintenant pour les zombies. Non, mais vas-y. C'est pour ça que c'est chaud. Désolé, j'arrête pas de mourir en ouais, boucle. T'inquiète, hein. Non, mais là, je suis mort. Moi, j'ai le jeu qui a frisé, les amis. Ah merde. Ah merde. Bugué total ou. Oh, ouais, bugué ouais, total. Y a... ouais. Dans mon chat, on me dit quand tu fais difficulté 3, il faut être au niveau 15 ou 20. Ah, bah ouais, d'accord. Et on est niveau 2, donc. Emprisonné. J'arrive. Après, si on y arrive, c'est beau jeu. Ah, c'est plus que beau jeu, c'est. Hello bitches! Ah bah c'est moi là. Ah bah Zongo. Okay, bah, pas mal. Attends, on arrive. Salut Ava, comment ça va? Oh, que c'est ça? Oh oui, d'accord. Tu m'es mort dessus, j'ai cru. Attends, il y en a un qui sniffe le fion là, non? De l'autre. C'était incroyable. Attends, j'arrive, je veux voir ça. Pour l'aider. Oh là 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 là, c'est pas du boulot les mecs. Je suis mort, y'a rien qui va. Allez, Hugo, vas-y, il va t'attacher. Allez, vas-y. Ah putain, y'a une horde qui arrive en même temps, mais allez vous faire foutre. T'es mort. Cours. Ah, mais j'ai plus de vie, gros. Ah, ouais, c'est terminé. Oh non. Ah non, mais la scène était incroyable, vraiment. Ah, il est tombé sur toi. Hello, bitches. Adrien. Mais ça suffit là, Oli. Merci pour les 50 subs. Ah là là. Adrien, il a mangé du kangourou. Merci là. Merci beaucoup, Bayonic. Ah ouais, non. Merci, Adrien. Putain, la vache. Bon, bah, j'ai fait ma journée de travail, hein, je peux partir là. Putain. Ah non, mais moi, je te dis, des fois, je lance le live. En 15 minutes, je leur dis merci bon, bah, les refs, à demain. Bisous, bonne soirée. C'est baisé, hein, vraiment. Des fois, en l'espace de je déconne, mais en 20 minutes, tu vois, genre. Bah hier un mec il a lâché 1000 balles quoi tu vois techniquement donc en vrai tu dis Mais toi c'est ouf hein mais tu sais mais ça m'étonne pas du tout le capital sympathique t'as il est dingue on sent trop bien sur tes lives moi ça m'étonne pas hein. Marqué mais sur la chaîne vrai, hein. Zéro drama c'est quand même lunaire en vrai zéro drama quand même... oui je suis d'accord tu vois genre tu dis mais putain les gars genre en vrai Ouais. Non merci beaucoup Adrien super généreux très très cool ouais Adrien c'est une machine ouais mais tous en vrai hein. Franchement pas qu'à Adrien genre tu sais c'est vraiment oui bien sûr. Une cohésion de fou au sein de la commu, c'est incroyable. Ils sont déjà passés chez... Parce que je crois que tu connais Sir Thomas... Oui. D'un coup. Oui. Sir Thomas, le boss. Hein. Sir Thomas, ouais, le boss. Ouais, écoute, j'aime bien.
Bon, plus que 10 ans de carrière, malheureusement, parce que la santé après, mais le boss. Hein. Bon, hé, hey, bah non, mais Adrien, c'est chiant, là. Hé, hey, va chez les autres, là. Allez, hop, on décale. Va donner au Game for Animals, là. Allez, on va sauver les toutous. Oh, j'avoue. Merci, Adrien. Oh, techniquement, on devrait être là-bas. Ah oui, c'est vrai, on a été invité, mais bon. Ah, ils m'ont pas invité, moi, parce que je crois que je suis un chien. Allez, hop, ça c'est fait, hein. Le Zongo, là. Oh, gros, merci. Ils m'ont pas invité. Genre. Ah, Adrien. Mais merci, mais arrête gros, ça me met mal à l'aise. Merci beaucoup. Remercie-le quand même. Cette fois-ci. Ah ouais, on aurait mais dû... après, j'étais sad de pas... Tu sais que j'étais refaite parce que bon, déjà le event c'était cool, mais j'étais trop contente parce que tu étais quand j'ai vu que tu étais pas, j'étais en mode NAA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 A
à deux avant d'arriver jusque là, ça va être coton. Ah si, c'est bon, je vois, je vois. Ah ça va, y a pas de monde. Ah bah à côté de nous, y en a un peu là. Hop, ça, ça explose. Ah, je me fais bouffer le cul. Je vais canner. Mais change d'arme, putain. Allez. Je pense que je suis mort. Mais non. Je vais mourir à côté de putain de merde. Mais là, on est joseurs, non ? Ah bah voilà. Ah bah, adieu, hein. Oh, 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 oh. Ah ouais, et il nous oh, fait carrément fumer. Je suis mort devant le... Ah. Mort devant le bol de sangria, là. Ah putain. Et l'autre, il est tout seul. Mais attends, attends, mais je peux vous parler d'un truc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Y a un mec qui m'a envoyé un DM sur, sur Twitter. Ouais. Il m'a ouais. dit... sale chien a sucé le buzz de Ava et de Hugo et il m'a bloqué. Allez hop, mérité. Genre, non, attends, mais il m'a insulté, il m'a bloqué. Oh, du coup, de merde. Répondre, tu vois. C'est qui? C'est quoi le pseudo? Elite. Bon, bah, c'est écrit dans le pseudo, hein. C'est marqué, hein. C'est signé. Mais c'est un baiser, le mec. Mais non, mais c'est un baiser, clairement. Le buzz en question. Mais, ah ouais, mais je sais pas, il. Je crois qu'ils ont pas conscience de qui tu es exactement. Ouais. Non mais on s'en fout de qui je suis ou pas, mais c'est juste que en vrai, genre, même au-delà de ça, ce qui est marrant, c'est que grâce à tes subgifters, on a fait la moitié de notre mois là en une heure. Non mais même au-delà de ça, genre Snaku, c'est la première personne du Twitch game qui m'a tendu la main, wesh. Fermez-la. Il est vieux, hein, il est vieux, hein. Ancien, hein. Ancien. Non mais c'est pas sûr, le mec il a dit ça. T'étais déjà sur Twitch. Faut pas chercher des fois. Mais tu sais pourquoi j'ai la haine en vrai? C'est pas ce qui m'a insulté. C'est qui t'a bloqué. C'est qui m'a bloqué. Je peux pas répondre. Pas répondre, ouais, ça c'est chiant. J'ai la rage de fou, tu sais. Merci pour le reste. Non, par contre, c'est chaud. Merci beaucoup. Il y a du soin là. Ah bah, il y a du soin ici. Attends. Ouais, mais il y en a plus là. Est-ce que ça a été pris? Oh non, c'est moi. Vous pouvez me sauver parce que je suis mort à côté de vous. Attends, mais t'es où? Ils m'ont fait respawn beaucoup plus loin, je pense, dans la mission. Ah ouais, t'as le plus. Bon bah, on arrive, vas-y, on arrive. Allez-y, allez-y. On arrive, attends, il y a le feu. Enfin, moi j'arrive, Ayman, je sais pas s'il va arriver. Merci beaucoup, hein. Merci Lee Sneakers. Merci encore une fois Adrien pour Blondie, ça fait plaisir. Merci de votre générosité, c'est super sympa. Pour l'instant, le jeu. Bah, ça spawn là. Pour l'instant, le jeu, je trouve ça sympa en vrai. Mais du coup, vu qu'avec Ava et Snaku, on a parlé de GTFO, j'ai quand même. Bon bah. Faites Belek, Zongo, y'a un gros là. Ah bon bah c'était efficace. Attention derrière toi. Ah, Ava. Véronique. Oui, j'arrive. T'inquiète, je gère, t'es là, hop. Oh sa mère. Oh la vache. Oh sa mère. Ah putain, derrière moi. Ah c'est fini, hein. Ouais, tu mets sa mère. Attends. Derrière toi, c'est la couf, fais gaffe. J'ai plus beaucoup. Ah Allez, allez toi frérot. Allez hop. T'es en live. Oh, propose du contenu vidéo ludique. Ça c'est pour le contenu ça. T'inquiète pas, frérot. Merci beaucoup. C'est bon, vas-y. Moi, je me suis fait jeter au sol, mais il revient, il est derrière moi. Hein. Vas-y, on arrive, on va t'aider. Non, ça y est, je suis avec vous, j'ai couru en fait. Mais il est derrière, il va revenir. Il est où? Je crois qu'il est allé choper Ayman. Y'a pas une fontaine de soins là, parce que j'ai soif, hein. Et moi aussi, je te raconte pas. Là, je pense alors, que. Alors, t'as soif, j'ai une fontaine, mais c'est pas du soin. C'est pas de ça que je veux, hein. La fontaine d'accord, bleue. Pas de soucis, frérot. La fontaine bleue, la fontaine blanche, hein. C'est pas une fontaine blanche. C'est encore pire. Bah, t'es c'est malade. L'autre qu'est-ce fontaine. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok, ok. Ah, je suis dead. La fontaine de chocolat. J'arrive. Attends, on arrive. Non, pas du tout. L'autre encore. Il y a combien de fontaines, le mec? Frérot, j'en ai trois. Another one. Another one. Oh putain, attends, j'ai perdu toute ma vie là encore. Mais ouais, mais c'est parce que t'es pas focus, mec. Bah, attends, mais j'essaye de donner le meilleur de ma personne, mais j'étais que un contre tous là tout à l'heure. Oh, là par contre, y'a des trucs vénères. Y'a le gros qui arrive derrière, je crois aussi. Oh, il est où? Oh, il est où? Ah, c'est moi, il est parti. Ah, sniper ici. Oubliez pas votre dash, hein, ça sauve. Hein. Comment tu fais pour dash? Droite, gauche, arrière, plus espace. La direction que tu veux dash, plus espace. Ok. Sauf avant, ça marche pas devant. Mm. Ah, moi, je tiens à dire, je me permets de prendre la parole. Vas-y. Pour dire qu'en vrai, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Pareil. Ouais, mais plaisir. Moi je le savais. Moi ouais, c'est pas mal, ouais. Non, mais il a un rôle à tenir, faut pas lui en vouloir. On va. C'est les mots du groupe, t'inquiète, c'est normal chez lui. Ouais, c'est sa pas façon mal, ouais. De dire merci. Ah, c'est sympa. Il a un rôle de Dark Sasuke. Heureusement que j'ai eu du fric, hein. Sinon, bon. Quoi?
Non, non, rien. Non, mais faut pas le dire, Hugo. Et j'ai pas payé Snack. Ah ! Oh putain de merde ! Oh la vache ! Attends, mais attends. Toi, tu m'as pas payé, tu vois qu'ils appellent, moi, quand tu me payes pas. Instant, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est mon garde du corps parce que vous m'avez pas payé, les gars. Une fontaine de soins, à l'aide. Alors, il m'a pris dans un coin. J'avoue que je J'ai un, je fais un, je peux pas vous aider. Ah oh, putain, j'ai des trucs de munitions, j'en ai rien à foutre, moi j'ai plus soin. Vous avez pas ramassé un pack de soins par hasard? Ah. Alors, moi je t'avoue que je suis top point, j'aime bien. Ah, tu fais bolos? Attends, j'arrive. Ah ouais, non, c'est bon. Ah. Je vais essayer de le choper par à distance, mais j'ai vraiment un HP. Hein. Ok, oh putain, il croque hein. Ok, c'est bon. Merci. Ok, bien joué. Ouh, compliqué. Alors du coup quand on est ensemble, le shield remonte plus vite. Ouais c'est ça ouais, faut qu'on reste groupé, en vrai c'est mieux. Un truc de soin là. Oh j'ai une batterie. Ah j'ai une batterie. C'est qu'il y a un truc de heal à côté alors, attends je vais chercher. Ah ici Snaku, là. Ah faut l'alimenter en batterie ouais, genre. Ouais faut l'alimenter. Pardon excusez. Mais monsieur putain mais vos mères là. Je crois hein. Ah oui y'a pas de batterie c'est bon. Ouais c'est bien ça. Boîte de munitions aussi si vous voulez. Allez-y, soignez-vous. Allez hop. Hugo, et Ava. Il y a encore deux charges. Ah bah c'est bon, t'es seul. Il y a des boomers dans le jeu aussi, comme dans les 4 Dead. Là. Ah donc il y a un chien qui a pris deux charges tout à l'heure. Comment ça? Hein? Bah il y a 4 charges par station. Ouais. Ah ça doit être Ayman, hein, le mec avec nous. Hein. Moi j'étais au sol. Hein. Le Smudgy pour les 1 an. Bon. Si vous voulez, si vous avez besoin de munitions à un moment, j'ai un stack de mun sur moi, je pourrais le mettre au sol. Ok, ça marche. Okay, mais là, ça a l'air d'aller. Lisez la salle de refroidissement. Les coffres vides, là, quel plaisir. Ah, à chaque fois, je pense que Zongo, c'est un ennemi. Hein. Alors, écoute-moi bien. Ava. Oui. Tu veux un coffre vide? Oui. C'est que Zongo est passé avant. Ah, il était indice. Fermé. Normalement, petit il est ouvert quand non, tu veux. Non. Bah, c'est qui ça? Okay. Bah, Zongo, il y a un collègue à toi là. Oh non! C'est carrosse. C'est carrosse. Eh tiens. Aïe. Ah là, ça c'est pour la remarque oh du tout à l'heure. C'était gratuit wow. Ah c'était gratuit mec. Aïe aïe aïe. Grenade. Oh putain mais vas-y. Ah, Véronique vas-y bah elle fonce hein, elle y va. Ah bah oui non mais là je vais pas rester dans le feu hein. Le jeu est comment jusqu'à maintenant? C'est sympa. Aïe. Je vous ai prévenu. Putain. Ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est pas mal pour l'instant, c'est un peu le bordel parfois mais j'aime bien. Non mais c'est fou, le gap de difficulté entre tout à l'heure et maintenant là, c'est insane. Hein. Ah bah... Bon, j'ai rien à dire. Ouais, on est en vétéran, hein. Oui, on est en vétéran actuellement. Non mais non, on est en hardcore, là on est plus en vétéran. On était en hardcore tout à l'heure, là on est en vétéran. Voilà. Ah ok. C'est pas chance, ça a pas changé du tout du coup. Ah ouais, ok. Ouais. Y'a rien qui va. Ah, le con, en personne. Cache de plastacier, c'est quoi le plastacier? Où ça? Genre, j'ai ramassé un truc de. Si j'avais écrit petite cache de plastacier. C'est pas. Je pense pas que tu puisses t'en servir. Ou alors avec ton 3, regarde si tu l'as. J'ai ramassé 3. Non, j'ai rien. Ça fait rien. Je sais pas alors. C'est peut-être juste un atout ou un cosmétique. D'accord. Je pas qu'on puisse utiliser des armes d'ennemis donc. Enfin, je crois pas. Oh, ça pue la horde. Oh là. Oh, ouais, oh. Ça arrive d'ici aussi. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ça dégage. Ouah. Allez hop. Au sol, au sol. Ah c'est tellement bien comme attaque en vrai ça. Par contre ouais j'avoue c'est très stylé. De ouf. Ah, ils ont vraiment bien, en fait ce qui est vraiment bien dans le jeu, par dessus tout le reste comparé à Back 4 Blood et tout, c'est le combat au cac. Donc ils ont vraiment bien... Ouais le feeling est vraiment bon. Ouais, ouais. Ils ont bien optimisé ça. Un peu Dying Light. Moi ça fait penser à... Vous connaissez le film Brain Dead ou pas? Oui. Ça me dit okay. Un truc mais j'ai pas envie de dire de... Le mec qui a plein de zombies chez lui etc. À un moment donné il y a une scène avec une tondeuse où il avance dans une horde de zombies et il éclate tout le monde avec une tondeuse. Ah oui oui oui. Vraiment, okay. Voilà, en gros, ça me fait penser à ça. Genre, vraiment, t'avances et. On me dit dans mon chat, c'est pour le craft, le plastacier. Ça va te servir pour craft ah. Un truc. Ah, ok. D'accord, merci, les amis. Allez, je te dégage. Je les nique dans le spawn. Ah, mais moi, je spawn kill, hein. La porte est fermée, je les baisse derrière la porte, on est mort. Regarde. Ah, il respawn encore au même endroit. Fais-le. Ça marche vraiment en plus, hein. Y'en a encore? Ouais, t'en as pas, il y en a 2-3. C'est là qu'il faut passer, hein. Oh putain, oh le bordel. Ouais, pour info, Brendan, c'est un des premiers films de Peter Jackson. Il a quand même fait Seigneur des Anneaux juste après, mais avant, il a fait Brendan. Ouais,
Désolé, j'étais pas né. Bon, arrête. Commencez à le prendre mal. Mais non, mais t'es pas. On le sait très bien, toi et moi, qu'on est pas si loin. Ouais, ouais, bon, c'est bon. T'en as trop dit, t'en as trop dit. Déjà qu'on me batte sur une calvitie que je n'ai pas, 27 ans. Ah, ça va, vous êtes des petits jeunes, les gars. Oui, ah, bah voilà, bah qu'est-ce que je disais. Ok, ok. Combien, toi? 42. Ouais. Je vais rejoindre Sir Thomas dans le cercueil, hein. Bah tu sais que je me lève le matin, gros, j'ai de l'arthrose déjà, hein, ça me fait mal, hein. Et par contre, ça arrête, ça me fait trop flipper parce que j'ai un pote qui est, bah, qui est pas si... qu'à ton âge, on va dire, en restant poli. Tiens, venez ici, y'a un truc à faire, ça. Excuse-moi. Là, on vient le faire, Hugo. Attends, j'arrive. Je vais pas le faire parce que moi je suis pas en live, mais viens le faire, c'est stylé, tu vois. C'est quoi, c'est une arme ou c'est... Bah, c'est sur le robot en ma gueule, c'est juste pour ça, sale con. Mais c'est du contenu, putain, mais ta gueule, mec. Le contenu de ouf, hein. Ah, oh, c'est dodge de ouf. Ouais, l'arthrose, tu peux en avoir, tu peux en avoir à ton âge, hein, le mec, hein. Sauve les portes. Ça me fait trop peur, ça, hein. Alors, tu parles quoi, tu parles de l'arthrose, et qu'est-ce qui t'arrive, Hugo, par rapport à l'arthrose? Non, pas moi, mais j'ai un pote qui a à peu près ton âge, qui a déjà de l'arthrose, aux deux mains. Parce qu'il a trop joué aux jeux vidéo. Non, mais j'ai trop peur que ça m'arrive. J'ai peur de pas, hein. Canal carpien et tout, hein. Ouais. Ça dépend des manettes, en plus, non? C'est pas avec les manettes. Je sais pas, franchement, je sais pas si ça existe, même une manette qui est ergonomique pour ça, quoi, qui est faite pour... Bah en tout cas, pas celle de Nintendo, hein, je te le dis. Elles sont trop petites, à moins que t'en prennes une. Ah, tu parles des Joy-Con base... Oui, alors ça, ouais, oui, totalement ouais, d'accord. Comme ça. C'est quoi, vous avez joué à Pokémon Scarlet et d'autres, là? Je l'ai acheté, mais il est resté dans sa boîte et je pense qu'il sortira jamais du blister, hein. Ah ouais, c'est tellement de la merde, gros, putain. Ah ouais. Moi, j'aime on me dit, tu le fais en live, j'ai dit ouais, on va le faire en live, t'inquiète pas. Tu sais, y'a des jeux que j'achète pour la collection, bah il en fait partie. Ouah. Sortira jamais de la boîte. Tenez du soin si vous voulez ici, et grenade aussi. Oh, désolé, la vache. C'est moi. C'est moi, désolé. Ah, je crois qu'on va sortir là en plus. Là. Ah là, ça va arriver, ouais, c'est ça. Chercher des barques géniques. Ah, ok, donc là, faut tampon en vrai. Les gars, des munitions si vous voulez des munitions. Ouais, moi c'est bon, j'en ai assez. Hop, y'a un truc activé là où j'y vais. Ah putain! Lance-flamme, alerte, attention les jeunes! Il est mort. Bien joué. Faut qu'on se retrouve là parce que ça recherche pas vite. Ok, je m'occupe. Faut me protéger, j'ai un code à mettre en fait dans le truc, c'est pour ça. Y'a un dogo! Ah, faut pas qu'il me fonce dessus, hein. Ok, c'est good. J'avais pas compris. Merci beaucoup. Ton réaction. Thank you, man. Bah, c'est mon temps Ok. Ah, la musique là, y'a quelque chose, hein. Ouais, y'a un petit truc. C'est Queen 4 là. Vous avez besoin de grenades ou pas? Y'en a une là. Zongo. Parce que Ava, tu veux pas du coup? Je n'utilise pas ce genre de choses. Mais en fait. Genre, j'ai l'impression que dans le jeu, tous les accessoires c'est de la merde. Le seul truc qui marche, c'est la putain de. C'est ça, taper, truc explosif là. Ah ouais, je te jure, genre tous les restes c'est de la merde en vrai. Ah, et le dash c'est pratique aussi. Il a l'air cool à jouer ton perso en vrai. Ah ouais, mais c'est tellement kiffant en vrai. Au final, je sais pas toi, Ava, mais mon truc à distance, je m'en sers quasiment jamais au final, à part sur les boss. Bah en fait, le problème c'est que ça met vachement de temps à charger. Ouais. Du coup, dès que t'as des hordes qui sont devant toi, t'es vite niqué. Donc il faut que ce soit vraiment dans les phases de boss où t'es un peu à distance pour aider les autres, mais c'est tout. Ah, faut activer le truc en haut là. Et hop. Vas-y, fais-le. Ah oui, tu voulais le faire? Non, vas-y, le contenu avant tout quoi. Je veux stream, mais mec, j'ai un mode de crâne de fou en vrai cet après-midi. Ah, bah c'est gentil de jouer, parce que j'imagine que c'est pas le jeu le plus reposant pour un mal de crâne. Stream, non, mais t'inquiète, mais c'est juste que je voulais pas, tu vois, allumer les lumières, etc. Ouais, voilà, tout, genre. Light ouais tout, normal, normal. Après, moi, les lights, je les mets dans le sens du mur, hein, pas dans ma gueule, parce que ça m'attaque. Mais parce que t'es de nouveau en fond vert là, maintenant? Moi? Ouais. Non. Parce que mec, il faut que je m'occupe de ton setup lumière. Parce que y a moyen de te faire des lumières sans les avoir dans la gueule ni rien. Hein. Ouais. Moi je les ai pas dans ça la attaque, gueule du hein. tout. Hein. Moi ils sont contre le mur, moi aussi. Mais j'ai 4 écrans en fait. Et du coup. Ouais, c'est les écrans alors. Ça se plaît pas en vrai, tu vois. Avec 4 ouais, parce que 90, les lights, écrans, moi je les mets en douche un peu et je les ai pas du tout dans la gueule. Et du coup, c'est ça quoi, fait le taf, tu vois. C'est le Keylight ou c'est le Elgato, hein. Les... Ouais. Ouais, ouais, maintenant j'ai les Keylight, mais je les mets un peu en douche en fait. Ça fait une plus jolie lumière et en fait, tu les as pas dans la gueule. Au-dessus de toi? Bah, tu sais, tu les mets vraiment au-dessus de toi. D'accord. En fait, elles sont au-dessus et tu sais, en plongée quoi. Genre, okay. comme si elles étaient au-dessus de ta tête. Donc en fait, elles t'éclairent vraiment le dessus.
Mais du coup, ça, déjà, ça te rend plus beau, même si je sais que les gens s'en foutent. Oui, j'ai tapé un vol. Oh, pardon, excuse-moi, c'est ma faute. J'aurais dû faire dire en passant, mais. Non, mais ouais, du coup, ça t'éclaire, ça te met plus en valeur, du coup. Et okay. Surtout, ça nique moins les jeux, parce que tu les as pas en direct, tu les as pas contre le mur. Ouais, moi j'en ai qu'une en fait, c'est pour ça, j'en ai qu'une devant moi. Et... Ah, je suis tombé. Oh, ah, merde, c'est à cause de moi en plus. Ah, j'arrive. Ouah. Qui pète là si vous voulez. Vous me dites hein, si vous voulez du soin, j'ai le truc. Hein. Non, garde pour l'instant. Aval est pas très bien, mais au pire. Ouais, regardez la Smala là qui arrive, c'est quoi ce bordel? Oh, où ça si, si, enfin, c'est pour marcher pour moi. Ah, c'est pour moi, gros. Allez, vas-y. Oh, c'est pour moi, gros. Derrière. Ah, merde. J'arrive. On arrive. Recule, ça va péter. Recule. Voilà. C'est bon. T'as pris des dégâts? Oui, mais merde. Tranquille. Non mais ça va. Juste la prochaine fois, il faut que je trouve un poste de soins. Ah, viens, je suis en haut, viens. Ah, mais elle est tombée. Merde. Attends, ouais, c'est ça. Je crois qu'on l'a tous sucé le truc de... Non, moi j'ai pas pris, Tu l'as pas pris, ok. Non, je peux pas remonter, c'est mort. C'est pas grave, tant pis. Je vais essayer de rester derrière. Non, mais regarde. Hop là. Là, il t'en touche à l'italienne, exactement. Ça fait du bien pour tout le monde. Ah ouais. Allez, ah hop. Ouais. Allez, Véronique. Oh, derrière. Attends, mais je vais rester encore dans le truc, hein. Oh. C'est infini, ce truc-là, en vrai, ou... Oh, yeah. Ouais, c'est infini, en fait. Putain, c'est trop bien, en vrai. Ouais. Ah, je pensais que ça s'arrêtait au bout d'un moment. Je pense jusqu'à ce que tu sois... pas pleine. Ouais. Eh oh, il fait mal, lui, là. Je déteste les gens qui font. Ah, c'est insupportable ça. tu me rends le PDF à Zap, hein. Tu me rends le PDF à Zap. M'écris sur Slack, hein. Ferme-la. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on a fréquenté trop de gens de start-up, ça. Ouais, dans les boîtes de merde, hein. Genre de boîte, ouais, de ouf. Fais le call à Zap, hein. Non, parce que là, on est super stop-board en ce moment. On fait un petit call, ouais. Et on se book ça, quoi. On se fait un petit meeting, on en reparle. Ouais, de ouf, on se fait un call. Tu m'as slacké là? Tu m'as slacké? Conf call, ouais. Active la flèche matrice. Allez, hop. Tu sais, ils ont tous. T'as des salles pour faire les rendez-vous là, et ils ont tous des noms un peu jeunes pour faire stylé, genre. Oui. Ah, c'est quand tu bosses dans les trucs de gaming là, tu sais. Ah bah ouais, Bedia, c'est ça. Hein. C'est les... Chaque salle a un nom, mais bon, à quoi ça sert finalement? 1, 2, 3, 4, 5. C'est exactement bien, mais... ça. Nous on avait ça et puis sur le mur on avait des graffitis sauf qu'ils avaient choisi un artiste où on avait vraiment l'impression d'être dans un centre aéré. C'était très gênant. Des papillons, des maisons. Vraiment, ouais vraiment, il y avait une fresque au mur, on arrivait avec des trucs qui nous souriaient, on était là, bah nickel, on a 6 ans en fait. Ah bah merci. Ah c'est relou. Je sens la maison. Hein. Ambiance chelou en vrai. Genre ambiance un peu film d'horreur, tu sais. Oh. C'est quoi ce gros crâne là? On parle pas Snagou comme ça, quoi. Ouais, j'ai hésité à la faire, mais je me suis dit, bah... t'as dit quoi, là? La menace. In a world. Enfin, je vais me faire engueuler par Emmanuel, je suis pas prêt pour le sapin. Non, mais t'inquiète, tu dis que c'est ma faute. Elle dira rien si tu dis que c'est moi. Je te jure, elle dira rien. Ouais. On va voir. Non, mais vraiment. Ah, y'a un truc à soi ici. Elle me connaît pas. Oui, mais toi ça marche pas, mais moi elle me connaît un peu donc ça va, elle m'aime bien. Ah. Ouais, parce que si c'est Snaku qui m'aime bien. Ouais, c'est ça, j'en ai rien à foutre. T'es qui le barbu là? Il y a du soin là. Ah, ouais, ah, hyper loin. Ah merde. Waouh, on est tous d'accord. Dispersés. Ah, il faut que vous voyez. Ah, bah, ok, j'ai compris. Il y a un objectif à la con, il va falloir qu'on protège celui qui prend la batterie. Ça va être chiant. Ah bah yes, mais on est pas du tout. Ah, je prends la batterie dans ce cas là si vous voulez. Vas-y, vas-y. Ah bah tiens, bah, ce sera même pas toi, c'est notre pote qu'on connaît pas qui prend la batterie. Nickel. Il s'est décidé tout seul. Par contre, je sais pas où il faut aller. Bah, je crois qu'il a pas l'air de savoir non plus, il se barre. Déployer les. Non, mais il y a un marqueur. Ouf. Aïe. Oh la marche. Qu'est-ce que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, il fait un vlog ou quoi là avec sa caméra là? C'est pas ce qu'il branle. Il l'a lâché du coup, ce con. Mais lâche ça! Vas-y, du coup, prends-le. Bah attends, j'aimerais bien qu'il le relâche, ce con, en fait. Dès qu'il lâche, tu le prends, ouais. Ouais, voilà. Hey man, can you release the battery, please? Et genre une explosion. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y, c'est où? Ok, c'est là-haut. Vas-y. Ah, il pouvait courir en plus, il est totalement con, le mec. Hein.
Allez, il y en a une autre. Il fallait mieux démonter les trois yeux, non? Ah oui, c'est ça, ah, je pense. Trois yeux. Bah, t'es trois crânes, quoi. J'ai chopé le deuxième. Ah! Vous me rejoignez? Ah merde. Attends. Ah, parce qu'il y a un mec là avec son sniper, il va comme ça me casser les couilles. Arrête-toi. Voilà. Je crois que je suis pas trop mal là, j'ai fait la moitié. Je vais aller prendre de la vie. Est-ce que je suis pas bien? Vas-y, go, je te Ouais, vas-y, vas-y. T'as vu que t'as la station de soins? Ouais, j'y suis allé. Perso, il tue, il est en mode yeah, yeah! Et ils disent des trucs, hein, quand ils attaquent. Oh! Allez, ça c'est bon. Ah bah, t'es toute seule, hein. Ah bah, t'es toute seule, faites gaffe. Ok, y'en a plus qu'un. On se retrouve à l'objectif. Ouais, vas-y, vas-y, je suis avec toi. Hop, okay. je te suis. Avec plaisir. Moi, je suis tout seul, à secours. Ah oh, bah, je vais mourir. Ah, en face, ça m'arrive sur la gueule là. Ah, je suis dead. Dédou. Je suis juste en haut, en fait, sur les pylônes, sur la gueule. J'arrive. Ah, je me suis attrapé dans un petit coin, je suis pas aimé. Oh, y'a un chien là. Y'a un toutou. Ouais, je te vois, Zongo. Je suis là, ouais. Calmez-vous, vous deux. Toutou sur ma gueule, il me bouffe la gueule. On arrive. Ouais. Merci. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai assez de shield, mais. C'est bon, tranquille en vrai, tranquille. Ça passe. C'est bien. T'es ok? Ouais, c'est bon. Vas-y, prends la batterie, on y va. Allez hop. Juste au-dessus. Et mais en fait, en vrai, tu fais 4 gros bras comme ça, mais en fait, c'est easy. Ouais, c'est ce que je me disais. Sur le jeu. Non, mais en fait, sûr, c'est easy win. Hein. Fais gaffe, elle va derrière toi. C'est tellement. Tu fais un dash chacun dans une. Ah ouais, c'est tellement OP. Hop là, c'est bon, batterie mise. Aïe. Et je vais redémarrer le bousin. Vas-y. Ah, donc en fait, il y a quand même des petites missions à faire par-ci par-là. Ouais, il y a des petits objectifs. Ouais. Vas-y, bah, Véro, vas-y, viens. Ouais, je suis là. Ah, bah, Yugui qui va, ok, nickel. Hop. Je vais t'appeler Véro maintenant tout le temps, va, ça va être incroyable. Véro, ça va ou quoi? Véro. Véro Dupuis. Je te jure, Véronique Dupuis, ça va devenir mon personnage. Ah, c'est sûr. Ça arrive! Mon mime, ma chaîne! Oui, c'est ça! Ah, ça va être la petite Véro! Véronique! Oh, Hugo, t'es dans la merde! Oh, Hugo, t'es dans la merde! Y'a du monde? Ah, oui! Bon, pas contre là! Oh, ouais, j'arrive! Y'a un mec vraiment vénère là, derrière vous! Ouais, c'est bon, mort! Oui, bon. Y'a pas eu de boss cette map? Non, y'a eu surtout des hordes! Ouah! Ouah, je vais me soigner là! Allez hop! Sécuriser la matrice! Bah, c'est bon! Je prends ma dose! Ouais. Non, vas-y, Véro, prends la dernière dose. Ok. De soin. Ouais, t'as plus en mais plus. Je crois qu'il y en a encore une autre, hein. Vas-y. Vas-y, je la prends. Ok. Ouais. Ah bah, ok, bah il met la prise. Ok, ça marche. je suis un fils de pute. Allez hop. On me dit, c'est juste que vous êtes level 1 sur la mission. Et mais l'All Green, c'est une hitbox. Il prend si cher avec 4 levels en plus. Apparemment, c'est facile au début avec le gros tank. Et mais dans le vaisseau, dans le vaisseau. Ouais, c'est vrai. Ah oui, dans le vaisseau, j'avoue, qu'est-ce qu'on se fout? Ah, genre du coup, la hitbox en fait elle est vraiment adaptée par rapport au personnage. Ah, ouais. Ah, c'est génial ça. Ah, donc on a un jeu bien développé. Ce que tu supposais tout à l'heure est vrai. Tu dis pas que des conneries, ouais, hein. Ouais. Ah, mais attends, par contre là, tu sais que je touche le plafond là. Et t'es, oui, t'es assis. Toi, t'es obligé d'être assis. T'es assis. Ah, bah elle était cool celle-là comme mission en vrai. Oh, ouais, c'est stylé, c'était stylé. Putain, vraiment, on dirait que je sors de la colline du crack, quoi. Ouais, j'avoue que bon. Ah, Véronique, elle a mangé chaud toute sa vie, hein. Véronique, c'est compliqué, là. Elle a léché des pieds toute sa vie. Putain, mais je te jure, genre, t'es mat, toi. Oh, j'ai débloqué le fusil. Ah, bah voilà. Pareil. On aura des armes pour la prochaine. Let's go. Enfin, non, eh, la prochaine, même, par contre. On a pas le même. La prochaine, c'est GTFO, hein. Ah, oui. De fou. Ah, je suis grave curieux, hein. Carrément. Avec grand plaisir. Vas-y. C'est cool, bon match d'école du coup. Ça marche, bah, bon après, merci les gars. Bonne migraine. Très très cool. C'était trop cool. Ouais, merci, ouais, merci Snaku, très sympa. Et bah, bah écoute, merci au plaisir vraiment de se recapter sur n'importe quel jeu. Vous me dites, vous me poquez un peu avant et let's go, on fait ça. Allez, vas-y, ça marche. Start season, okay. Bisous. Bisous tout le monde, à plus. Plaisir. Des bisous, bon dimanche. À bientôt, ciao. Ciao. Ah bah, très sympa. Très très sympa. En vrai, le jeu, je kiffe, hein. J'aime beaucoup. Le seul truc qui est, je pense, un peu en dessous de mes attentes, enfin de mes espérances, c'est pas l'univers, j'allais dire, mais c'est ultra claustrophobique, quoi. Après, je pense que c'est l'univers qui veut ça, mais c'est extrêmement claustro, quoi.
Genre, t'es toujours enfermé, c'est rarement. Moi, je pensais qu'il allait avoir un petit peu de trucs, genre de la neige, etc. et tutti quanti, mais en fait, pas du tout. Mais ceci dit, j'ai bien aimé. Très très bonne découverte et j'espère que le crew du coup vous a plu. Très sympa. Hein. Merci Skim pour ton 26e mois. On veut plus de stream comme ça. Ah bah je pense qu'on va se capter plus parce que ça fait longtemps que avec Avar on voulait jouer à un truc. Snaku je connaissais pas, super sympa. Enfin, je l'avais croisé viteuf, tu vois, mais jamais fait de truc avec lui de particulier. Donc très content, bien adoré. Hein. Non bah je vous remercie. Merci 21 Mob. Je vous remercie d'avoir suivi le stream. On va préparer un raid chez Pota. Slash raid. Il joue sur le serveur de Innox, je crois. Slash raid. C'est quoi déjà? C'est Potatoes YTB, voilà. Ouais, merci beaucoup les mecs. Je vous envoie chez Pota. Hein, vous lui dites magnifique queue, Pota. Magnifique queue, Pota. J'adore. On se retrouve du coup mardi soir pour, je répète, mes votes Game Awards. Et derrière, on fait un vieux jeu PS1 qui a l'air trop bien. Le lendemain, Coupe du Monde à 16h. Et ensuite, ça va désinguer de l'Alien sur Callisto Protocol. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été autant en ce petit live du dimanche. C'était très sympa. On se dit à très vite. Et puis, soyez sympas. Hein. Bonne fin de week-end, les mecs. Bonne fin de week-end. À très très vite. Encore merci tout le monde. Encore merci.